Est-ce qu'on n'est pas fou quand même? Bonsoir à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous sommes sur la suite de Marvel Avengers. La dernière fois que je vous ai laissé, Hulk s'était énervé, avait tapé un petit peu Iron Man et nous avait laissé dans un vaisseau tout cassé. Donc nous voilà à présent avec Kamala Khan et on doit ramasser les morceaux. Et quelqu'un a laissé le balai quelque part, j'en suis pas sûr hein. Je vais aller où moi concrètement? Je vais aller là-bas. On va aller voir là-bas si j'y suis. Et on va essayer de ramasser les miettes. Sans preuve, y'a aucun espoir. Mais je peux pas juste abandonner. Non, tu ne peux pas abandonner ma... Ça peut pas finir comme ça. Oh, rien. Ça fait tellement vide. Comme quand le chimère venait tout juste d'être mis en service. Alors, est-ce qu'on peut discuter deux secondes, s'il vous plaît, de ce qui se passe actuellement? Est-ce que c'est normal que Iron Man a laissé sa tête ici? Est-ce qu'il a tapé tellement fort qu'il a perdu la tête? J'ai un peu peur quand même, vu le résultat. Jarvis, pourquoi je peux pas ouvrir ça? Je suis désolé, Mademoiselle Khan. Le verrouillage d'urgence est encore actif. Je vais avoir besoin de Monsieur Stark pour rétablir l'alimentation. Ça tombe bien, il est derrière. Ça tombe bien, il est juste là, Monsieur Stark. Monsieur Stark, j'aurais besoin de votre tête, s'il vous plaît. Ça tombe très bien, je vais donner le code. T'inquiète pas, ma petite Kamala. Ouais, trop bien. Alors du coup, je ne peux pas traverser cette porte. Mais je pense que, vous savez quoi? Le jeu est très très bien fait. Le jeu est très très bien fait, vous savez. Parce que je pense que grâce au trou qu'il y a dans la coque, je peux passer à l'extérieur pas du tout. Probablement passer en bas. Par cette porte très grande ouverte. On n'a pas besoin d'avoir peur. Je peux pas croire que je suis toute seule ici. Surtout, tu sais comment l'atterrir le vaisseau? Parce que là, concrètement, Thor a refait un mouvement pour essayer de le remettre dans les airs, mais c'est à peu près tout, quoi. Ah, mais on peut aller dans notre chambre, peut-être, éventuellement. C'est là-bas que je dois aller? Non, je peux pas aller dans la chambre. Ici Philly Sheldon, en direct de la scène de l'incident, ici, à Manhattan. Oh. Même les gens du SHIELD sont partis. Ils se sont peut-être dit que Hulk allait tout casser. Une tragédie. Ouais, c'était un peu la merde en fait, en vrai, hein, ce qui s'est passé. Hein. On s'est fait attaquer, on a perdu beaucoup de monde alors qu'on était censé être en sécurité. C'était un peu violent. Jarvis, est-ce qu'il y a un enregistrement de l'interrogatoire de Monica par Bruce? Certainement, mademoiselle. Vous pouvez y accéder dans la salle d'interrogatoire. D'accord, faut que je descende. Si je puis me permettre, mademoiselle Khan, qu'espérez-vous trouver dans cet enregistrement? J'en sais rien, mais il faut que j'essaie. Elle a peut-être fait une erreur. Moi j'aime bien comment c'est elle qui est le... On va dire la glue qui essaie de maintenir les Avengers ensemble. Mais ils ont j'ai l'impression qu'ils... C'est l'IM qu'on doit combattre. Ils se brisent facilement en fait. La fin est proche, ne le sens-tu pas? C'est pas une référence d'un film ça? J'ai l'impression hein. Le prends pas mal Jarvis. Mais j'aurais vraiment aimé qu'il y ait une autre personne à bord. Je ne suis pas offensé, mademoiselle Khan. En même temps, est-ce qu'il peut l'être? On dirait que les agents du SHIELD ont tout fait pour les repousser. Eux, au moins, ils ont le sens des priorités. Waouh! Ça critique fort. Je peux aller là-dedans? Mais genre, comment ils se font passer? Ils ont tout soudé. Je pensais pas que j'allais pouvoir rentrer dedans. Ah, qu'elle a pu s'échapper. Elle est cassée. Bruce était furieux. C'est ça. Oh, regardez, la caméra, elle est hackée encore. Ces trucs violets sont partout. C'est lorsque l'autre, là, le docteur Tattleton, il contrôle les appareils électriques. Donc j'ai tout regardé là-dedans. Et on va ressortir. Putain, là, vous avez vu là, l'épaisseur de la porte, comment il l'a troué. Genre, au calme, sans problème. Insane. On peut incarner tous les Avengers, Rosis. Par rapport à l'histoire. L'histoire nous a déjà fait jouer tous les personnages de Avengers. Donc Captain America, Iron Man, Thor, la Veuve Noire, Hulk et Kamala Khan. Et ensuite ils se séparent. Kamala, tu joues Kamala la plupart du temps. C'est elle le personnage principal. Et ensuite à chaque fois que tu retrouves un personnage ou que il y a une scène spéciale, tu joues en fait le personnage de cette scène-là. Faut savoir qu'après, quand tu joueras en mode multi, parce que le jeu essaye vraiment de nous forcer à mettre le mode multi. Et quand tu joues le mode multi, tu as le choix de tous les personnages qu'ils ont donné dans le jeu.
même des personnages supplémentaires qui vont arriver au fur et à mesure des DLC et des mises à jour. Pour le coup, je ne sais pas si ça va vraiment laisser les joueurs, genre s'ils vont vraiment jouer. Je sais que Spider-Man va arriver l'année prochaine, mais c'est loin, c'est dans 3 mois. D'ici là, on a eu le temps d'avoir Spider-Man sur PS4, on aura eu le temps d'avoir la PS5, on aura eu le temps d'avoir même la Xbox One, enfin la Xbox Series X et compagnie, on aura eu le temps d'avoir Immortal le 3 décembre. On va oublier en fait Marvel Avengers. Ils ont intérêt de bien bosser. Ok. Les vidéos des interrogatoires. Il doit bien y avoir un indice quelque part. Laisse-moi deviner. Vous préparez un coup d'éclat pour le lancement de l'adaptoïde. Allez, Monica, donnez-moi un indice. Fouillez la terre. Vous ne trouverez jamais le labo. Les adaptoïdes seront lancés, Bruce. Sauver le monde exige des sacrifices. Ça sert à rien. J'aimerais tellement parler à mon père. J'appelle Yusuf Khan. Non, Jarvis, c'est parce que... Allô ? Peeta, c'est toi ? Oh. Kamala, si tu es là, tu me manques tellement. Je ne suis pas en colère, j'aimerais que tu rentres à la maison. Je suis désolé. Je n'aurais jamais dû te dire de cacher tes pouvoirs. Tu as peut-être peur. Tu es peut-être inquiète. L'important, ma fille, c'est que tu restes toujours fidèle à toi-même. Je t'aime, Beta. Je t'aime encore plus. Je t'aime 3 fois 1000. Les adaptoïdes seront lancés. Fouillez la terre. Vous ne trouverez jamais le labo. C'est dans l'espace. Fouillez la terre. C'est sur la lune. Vous ne trouverez jamais le labo. Fouillez la terre. J'ai trouvé avant toi, Kamala, c'est bon. Vous ne trouverez... Fouillez la terre. Fouillez la terre. Mais oui, bien sûr, le satellite. Ok, donc je suis juste dans l'espace, c'est pas la lune, mais bon. On va aller sur la lune. Enfin, on va aller dans l'espace. On va aller dans l'espace. Avengers, si vous m'entendez, je crois que j'ai une piste. Salut Valou! Écoutez, je sais que j'ai pas assuré. J'en voulais tellement à l'AIM pour ce qui m'était arrivé au Heyday que j'étais aveuglée. Mais Cap devait avoir une bonne raison de faire ce qu'il a fait. J'en suis sûre. Les gens ont foi en les Avengers. Pas juste pour vos super-pouvoirs, mais... Parce que même si ça va très mal, même si vous êtes pas toujours d'accord, vous finissez par vous rassembler. Vous voyez pas. Vos différences sont votre plus grand super-pouvoir. J'étais qu'une gamine de Jersey bizarre et mal intégrée. Mais vous avez vu qui j'étais réellement. Vous m'avez accepté. Il y a toujours un méchant qui menace la planète. Mais nous pouvons l'arrêter. Le bien, ce n'est pas ce qu'on est. C'est ce qu'on fait. D'où il sort sa veste à chaque fois, il m'énerve. Désolé. Tout ça pour pas le mettre torse nu, pour pas avoir un moins de 16.
Les gens, sérieusement. Ça va. Je comprends. L'altitude, les yeux secs. Bon, je suis pas très doué pour... Désolé, je... Pareil. Ça suffit. Oui, dans l'interrogatoire. Alors, t'as trouvé une piste ? T'as besoin d'un gros patch, le jeu. C'est même pas une question d'optimisation, là. Là, le jeu bug vraiment, en fait. Fouillez la Terre. Vous ne trouverez jamais le labo. Monica dit vrai. D'accord. Il n'est pas sur Terre. Eh ben, quand ils m'ont capturé, Monica et Tarleton se sont disputés. Tarleton a dû sortir de la pièce. Et ensuite, Monica a sorti les coordonnées d'un satellite appelé Ambrosia. Iron Man, il parle pas. Putain, ça m'énerve. Ambrosia ? C'était un projet de recherche médicale du SHIELD. L'AIM a dû l'acquérir dans du rachat. Ce serait parfait pour cacher des preuves d'expérience sur les inhumains. Comment casser l'ambiance d'un jeu ? En ne vérifiant pas si on veut les dialogues qui fonctionnent ! Les inhumains au niveau cellulaire. La pesanteur est un environnement idéal. Bravo. Bon, on sait où on doit aller, il nous faut juste un moyen de nous y rendre. Le projet Starboost, monsieur. Si je me souviens bien, vous l'avez abandonné. Ah non, c'est le jeu, hein. Clairement. Suffisamment d'accélération. Kalamala, elle parle bien. Je sais. Et tout le monde parle séparément, quoi, c'est abusé. Tout le monde avec les détails. Les gens, ils ont sorti un jeu, il est pas notre expert en fourmis. Jarvis, il est pas fini en fait. Beam, s'il te plaît. Il est pas fini. Il faut qu'on trouve un moyen d'atteindre ce labo spatial. Et c'est con parce que j'adore c'est le jeu. Qui peut nous aider. Vous vous rendez compte ? Le jeu il est pas mal. Il a le cul entre deux chaises, hein. Je tiens à le signaler, le jeu a le cul entre deux chaises. C'est-à-dire que il sait pas s'il veut être un jeu solo ou s'il veut être un jeu multi. Clairement, parce que tu as des bonnes scènes solo, t'as le multi en lui-même, si c'était un jeu séparé, ça aurait été pas mal. Le problème, c'est qu'il nous l'enfonçait dans un jeu solo, et le jeu solo, il est bien, mais il y a le multi qui est... Tu vois, c'est un peu enchevêtré. Le solo, il est bien, séparément, le multi, il est bien séparément, et ils ont fait BLA ! Et ils ont mélangé ensemble. Bref, c'est pas ça le souci. Le souci, c'est qu'il y a un manque flagrant de finition sur la version PC, en tout cas. La version PS4, je ne suis pas arrivé à ce moment-là. Tout le début du jeu, ça va. Arrivé au niveau des combats, quand Thor arrive, à partir du moment où Thor arrive, ça part en couille, en fait. Les dialogues, ça va dans tous les sens, il y a des dialogues qui manquent, les personnages ont les dents noires, des fois, ils n'ont pas de cheveux. Là, carrément, le mec, il parle 3 minutes après, quoi. Et ça, pour un jeu à 70 boules, je trouve ça abusé. Square Enix, je vous adore. J'ai adoré Final Fantasy VII. Final Fantasy VII avait aussi un énorme bug. Vous avez jamais parlé de ce bug. Mais là, franchement, c'est pas cool. Hein. C'est vraiment pas cool. Je suis dégoûté. J'ai payé ce jeu 70€, les gens. J'ai payé, hein, 70€ au jeu. Et là, ça me fait vraiment chier, en fait. Ça, j'ai les boules, hein, quand je vois un truc comme ça. Bref, c'est pas grave. Je finirai l'histoire parce que j'aime bien Avenger. J'adore Marvel, j'adore Avenger. Tant pis, hein. Qu'est-ce que je te dise ? Y a pas eu le bug des dents sur PS4 ? Ouais, mais c'est d'être un truc sur la version PC, tu vois. Oh, ça va. Dis-moi que c'est une simple visite de courtoisie. Tout à fait. J'aimerais courtoisement utiliser tes particules de BIM pour rapetisser un accélérateur. Dans ce cas, tu vas devoir pénétrer dans un complexe sécurisé de l'AIM. Méridian, ça te parle ? Ça va pas être facile. Cet endroit est une vraie forteresse. Widow ? Je dois dire que tu mâches pas tes mots quand tu te mets en rogne. Écoute, Nat. On a été stupides. Je suis... C'est bon. J'adore te voir ramper, mais on a du boulot. Je peux nous faire rentrer dans Méridian. Nous ? On est toujours une équipe, non ? Pas de temps à perdre. Ouais, alors je suis d'accord avec toi, Dr. Wood. J'avais vu les bugs de Fallout 76. Sachant que le jeu est sorti depuis plus d'un an aujourd'hui, qu'il y a toujours les bugs, ça fait peur. Ça fait peur de ouf. Alors, on va sélectionner les héros. Je peux sélectionner 3 héros. Ça tombe bien. J'ai Iron Man veuve. C'est cool. Pourquoi le jeu m'oblige à jouer avec Iron Man, je ne sais pas. Quoique non, je suis pas obligé de jouer avec Iron Man. Attends. Je suis obligé de jouer avec Iron Man ? Je suis obligé de jouer avec lui ?
Je sais pas si je suis obligé de jouer avec lui ou pas. J'ai l'impression. Je peux pas le désectionner en fait. Ok, on va voir si je peux l'améliorer. Oh, il a plein de trucs à améliorer. Au niveau des compétences, on va se mettre plus au milieu. Je devrais améliorer les lasers, j'en ai pas. J'ai qu'un seul point de compétence, c'est un peu abusé. Je vais mettre le rayon surchargé, amélioration de capacité héroïque. Capacité uni-rayon, 25% de dégâts supplémentaires. L'uni-rayon devient ultra puissant. Il était déjà puissant à la base. J'aurais dû augmenter ça pour augmenter un peu la durée du robot géant. Mais l'uni-rayon se charge plus rapidement. Donc, moi, c'est une technique qui me plaît un peu plus, tu vois. Alors, ok, on lance la mission. On verra. Après, on va pousser toute cette frustration de la cinématique dans des combats. L'AIM a confisqué toutes mes recherches quand j'ai on été va capturé. Taper des têtes. Ils ne savent pas comment utiliser les particules, salut, mais elles devraient être bien protégées. Salut tout ce qui arrive. Bon. Il n'y a pas 36 moyens d'entrer dans Méridian. Je crois que le plus simple serait de nous emparer d'un de leurs trains hyper-circuits pour rejoindre directement le cœur des opérations. Je peux pirater le train, mais ça risque d'exposer la fourmilière. L'AIM sera en mesure de nous localiser. Vous devez faire vite. Alors on fonce et on détruit la base. Parfait. J'adore les approches directes. Merci Brawl Gamer, c'est gentil. Comme dit Mantina, bonsoir à tous les arrivants, merci. J'ai infiltré l'AIM pendant des années, mais j'ai jamais réussi à voir Méridian. On dirait que tu vas enfin avoir cette chance, Nat. Je vous envoie les coordonnées de l'entrée du poste d'hypercircuit. Allons-y. Ok, c'est parti les amis. Nous voilà maintenant à présent avec la fine équipe. On va s'infiltrer. Alors, bruyamment. Combien de base de recherche ultra secrète peut bien posséder l'AIM? Un peu trop. Mais Méridian est la plus importante, avec celle de New York. Alors, si je regarde bien. Ah, l'objectif principal est à gauche, il est à 60 mètres. Mais plus loin là-bas, dans cette direction, j'ai l'impression que ce sera de l'autre côté de la map. Ah, ou alors je peux passer par-dessous? Non. Non, il faut que j'aille de l'autre côté de la map, je pense. Il y a deux... Je sais pas si je peux y aller en vrai. Je vais voir si je peux y aller. Parce que j'ai deux coffres à récupérer là-bas, mais je ne sais pas comment. Je pense pas que je puisse. Ah, mais peut-être que si, en vrai. C'est pas ça que je dois récupérer. Les points sont là, 75 mètres. Mais je préfère le tour là-bas. Je pense que ici, je suis hors map si je vais là-bas, tu vois. C'est pas... On n'est pas en mode liberté absolue, tu vois. On peut pas faire de... Le jeu m'a pas dit non. Le jeu m'a dit non. Le jeu m'a dit non. Le jeu m'a dit non. Ok, let's go maintenant. Bon, on sera obligé de passer par le point principal avant de récupérer les coffres. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais essayer d'avancer dans l'histoire. Si j'oublie pas, je récupère les coffres. Au pire, tant pis quoi. Parce qu'en plus, le jeu, il est pas vilain. Hein. C'est le pire. Regardez, j'aime bien ce que je vois là. J'aime encore bien la map, elle est jolie mais et tout. Ces particules de PIM sont instables, au mieux. S'il arrive à les faire fonctionner, ça nous facilitera grandement. T'as l'impression qu'ils ont fait le jeu, ils ont fait oh ça suffit. Prions pour un miracle. Vous savez que je vous entends toujours, hein. Ah non, Nat, pas encore. Désolé, on change de canal. Eh ben, t'as vraiment pas choisi le bon camp. Oh lol. Ah, peut-être par là en vrai. Ah, ok, on a des gens. Je suppose qu'on a des gens à libérer on et tout comme ça. Au bunker, le problème en fait de ces missions là, c'est qu'ils sont super plus difficiles que les missions normales. Il y a un coffre d'équipement à proximité. Oh putain, Hulk, il a spawné devant moi. Mon IA aurait pu régler ça. La prochaine fois, je resterai au lit. De la résistance est en difficulté dans les environs et a besoin d'aide. Oh mon dieu! Kamala, putain!
Arrête de me voler mes kills. Tous les systèmes sont ouverts. Dommage que je pouvais annuler. Putain, j'ai tiré dans le vide. Et vous avez vu comme je concentre, ça va mieux en vrai hein, par rapport au dernier épisode où je me suis pris des claques pendant tout le début. Là je trouve que ça va hein. Est-ce que je peux avoir une note sur 10 s'il vous plaît? Merci. Juste pour ce combat par rapport à l'épisode dernier. Comparez pas par rapport à un autre youtubeur qui s'est mieux joué que moi hein. Par rapport au dernier épisode que j'ai pu faire sur ce jeu. Notez-moi sur 10 s'il vous plaît. Ok, il est dans. La visite. 9,99. 1 sur 10. 7 sur 10, 20 sur 10. Merci. Merci beaucoup, ça fait plaisir. Un 7. Ouais, ça va mieux. Oh, franchement, ça va beaucoup mieux. Parce que si on pouvait dire que l'épisode la dernière fois, c'était un 0, là, un 7, ça part. Il y a moins de sel. Il y a du sel sur les cinématiques, mais il n'y a pas de sel dans les combats. On a trop galéré en fait pour les combats la dernière fois, donc là je pense que on peut m'envoyer n'importe quel combat, c'est bon, je vais moins pleurer quoi. Sauf que j'essaye de trouver comment ouvrir le truc, je ne vois pas en fait. Ah putain, c'est là. Le système de sécurité de la zone a été neutralisé. Bien. Faudrait un peu de poivre. Ah bah oui, plus pour le sel, c'est ça. Je suis prêt pour Dark Souls. C'est une très bonne nouvelle. Vous êtes tellement gentil. Je peux toujours compter sur vous. Merci pour tout, Avengers. Wow. Ça a marché. Ah. Théo, faites le nécessaire. Théo, il vient chercher maintenant. C'est nice ça. C'est rigolo parce qu'au début je dis bah ils font comment pour rentrer chez eux? Bah maintenant c'est. J'ai un autre. C'est un coffre? Comment je pourrais y accéder? Oh non, y a des gars qui ont ripop. C'est par là en fait, l'entrée est par ici. Ouais, je me traîne un peu. Ah, vous savez c'est quoi le problème? Il n'y a aucun moyen en tant qu'Iron Man, c'est gros défaut vous savez. Si tu joues Iron Man, Captain America, tu peux pas péter les portes. Tu peux pas péter les portes. Il faut qu'un autre personnage le fasse pour toi. Ou alors, tu utilises ta méga capacité. Et ça, c'est du gaspillage.
On a le secret. Le seul moyen d'ouvrir cette porte avec Iron Man, c'est voilà ça. Nos cibles d'entraînement. Ok, j'allais dire. Alors, me fais pas mentir, s'il te plaît, parce que là, c'est compliqué. C'est du sucre. Sucre, Natasha, carotte, Iron Man, tomate et l'autre spaghetti, je m'en souviens. Ok, d'accord. Je vois le délire. J'aimerais pouvoir l'annuler, hein, par contre, quand j'en ai plus besoin. Comme ça, ça me permet de recharger. À m'ennuyer. Il est vite et tout. Encore gaspiller ce pouvoir. Parce que dans un autre jeu, R1, ça permet de faire des choses que ce jeu ne permet pas. Putain, merci d'avoir esquivé, Seros. Ça fait toujours plaisir quand tu esquives. Salut, je te connais depuis longtemps. J'adore ce que tu fais. Continue comme ça. Merci à toi, Timo. C'est très gentil. Wow! Pourquoi je suis en feu? Il se passe quoi? Pourquoi je suis en feu? Iron Man, t'es en feu, mon pote! Merci pour l'amour, Timo, c'est gentil. Merci beaucoup. Apparemment, j'étais en feu, je sais pas trop pourquoi. Et il s'est passé quelque chose, tu vois. Donc on va essayer juste d'aller de l'autre côté. On va s'en foutre des gens parce qu'ils spawnent à l'infini. Et on va aller nettoyer un peu la zone. Non, on regarde pas les gens. Voilà le poste d'hypercircuit. Il est protégé par un champ de force. Je vois ça. Détruisez sa source d'énergie et je pourrai pirater leur système et appeler un train. Oh! On va prendre un train, d'accord. Et c'est où sa source d'énergie? Par là? Cherchez un coffre contenant des ressources spéciales à proximité. Non, c'est juste un coffre en fait. Rien de... Les mechas revenaient sur Fortnite sous la forme de Mecha Iron Man. Ah oui. Ouais, c'est vrai que maintenant il y a la mise à jour Avenger sur Fortnite. Et effectivement, ils peuvent remettre le Hulkbuster en fait. T'as totalement raison. Raid leur fait. Bon, ça se présente mal. Tu m'inquiètes. Leur système de sécurité est plutôt coriace. Il me faut plus de temps. Compris, on a besoin de ce train. Quelqu'un compte les points au moins? Distribution de plaques. Bien joué, putain. Je sais pas s'il y a une mise à jour là, parce que j'ai l'impression qu'ils sont beaucoup plus efficaces. Ah oh. Bonne nuit. Quand on cherche les problèmes, on les trouve. Alors, quand on fait l'attaque IEM avec Iron Man, ça les fragilise et ça augmente aussi ta puissance. Bon corps. Adaptoïde, Hulk est tout seul devant. C'est bon, j'y suis. Nice. Le train est prêt, mais l'alerte générale a été donnée. Tchou-tchou. Je trouve que tu as mis un bon sens de l'humour, je vois pas le problème, Natacha.
Cherchez un coffre d'équipement à proximité. Oh non, j'ai mis le bouclier avant. Un coffre d'équipement, il m'a dit. Je vois pas où, par contre. Parce que j'en avais déjà pris un. Mais là, je vois pas où il pourrait être l'autre. Je suis censé le voir à travers le mur, normalement. Ah bah, il est juste là, putain. On ne frappe pas ses amis. Mais j'ai pas tapé Hulk, il a rien senti en plus. Franchement, il a rien senti. Hein. Allez, vraiment, il est difficile à jouer, mais je trouve que tu gères. Mec, ça se voit que t'as pas vu l'épisode d'avant, diable. Ça se voit que t'as pas vu l'épisode d'avant, diable. On a fait un entraînement à la dure avec Iron Man. Les autres te le diront. Tous ceux qui étaient là sur le précédent live te le diront. J'ai chié du sang pour gérer Iron Man. Et encore gérer, je trouve que c'est un grand mot parce que là, pour l'instant, ça va. Je me bats plutôt bien. Mais je suis aussi étonné que vous. Vous êtes vrai. Je vais juste voir si j'ai pas mis le jeu en facile, quoi. Normal, non, difficulté normale, tout va bien. Parce que je me dis, oh, c'était vachement dur, plus dur avant, là ça va en vrai, je me sens plutôt pas mal. C'est pas normal. Genre j'ai pas confiance en moi, tu vois. Comment je fais pour rentrer dans le vaisseau spatial? Il est où le train? Faut que je passe par là. Ah, faut que je passe par là. Come at me, bros! It's ici! Le train est arrivé! Le train en direction de Charleroi sur ligne 4 est maintenant en départance. Attention, attention, pickpocket! Voilà, des pickpockets ont été annoncés dans le train. Validé, attention! Vous pouvez embarquer quand vous le souhaitez. Belova? Un de mes anciens alias. Après ce jeu? Bon sang! L'AIM a été repéré près de la fourmilière. Il nous faut ces particules au plus vite. Je dois finir Ghost of Tsushima. Plus le temps, Hank. Je pense que ce soir on fera que ça. On y est presque. On peut pas repartir les mains vides. Ce soir on fera que ça. Il y a moyen qu'on refasse Spellbreak parce que Tico n'a pas joué avec nous et le jeu était plutôt sympathique. Donc peut-être probablement, je ne sais pas quand, mais on va sûrement rejouer le jeu à un moment donné. Voilà Méridian. Bon sang, l'AIM a pas chômé. Je détecte une signature de particules de PIM émanant de la base. Je mets à jour votre ATH. C'est j'aime bien ici, la map est sympa. Hein. Jarvis. Bon sang, Avengers, on a un problème. Je crois que l'AIM a détecté mon piratage. Je reçois des messages d'alerte dans le périmètre de la fourmilière. Vous devez récupérer cet échantillon de particules et revenir ici au plus vite. Même si on le trouve, je suis pas sûr qu'on puisse revenir à temps. Attendez, je crois que j'ai trouvé un moyen de vous ramener. Dans la gueule. Oui, d'accord, il m'a volé mon kill. Théodora, Tibrino, merci à toi pour les 3 mois, merci beaucoup, c'est trop gentil. Bon les gars, vous vous en sortez très bien apparemment, moi je vais voir rien si j'y suis. J'ai été un peu stun là je pense. Il a tapé dans le vide. Au calme. Où tu cours? Mais c'est quoi ces ennemis qui s'enfuient là? Genre ils ont peur de moi aujourd'hui. Ultra.
Je vais me soigner. C'est juste les gratinures. Attends, on va aider Hulk. Non, mais j'ai pas eu le temps. De nos alliés de la résistance a besoin d'aide non loin de votre position. Eh ben on, apparemment c'est un peu la mort. Bonne nuit mon vieux. Y'a des gens là-dedans. Non, ça me tire dessus. Aou. T'inquiète madame, j'arrive un jour. Alors toi par contre. On va changer. Parce qu'en fait le laser est génial contre les boucliers. Mais en vrai les lance-missiles one shot les volants. Donc je devrais plutôt utiliser cela en fait. Alors c'est quoi? Non, je reste, je dis au revoir ceux qui partent. Ok Rachel, merci. Alors salut, j'ai raté quoi? T'as raté... Pas grand chose, ça va. Ça va, en vrai ça va. Les pires mates, ils volent tout et kill. Mais t'as vu ça? C'est vrai, c'est la nouvelle Avenger. Le nouvel Avenger, mais totalement, t'as vu? Eh, je suis devenu fort, ça va. Dit-il avant de mourir éhontément pendant 3 fois. Non mais en fait là, ça va bien parce que... Là on est en forme et tout, j'ai bien dormi, tout ça, tout ça. Mais vous allez voir, dans 2 jours, hein, ça va pas de luck. Hein. Après, ça va être le retour du fail et tout. Moi, je vais bien, en fait, 1 jour par semaine. Et après, le reste... Et après, c'est la merde. Ou pas, hein, j'en sais rien. Bon, je vous envoie Théo, un de mes agents. Il va vous rejoindre directement et vous téléporter vers la fourmilière avec l'échantillon. On va se téléporter ? Oh, je sens que ça va me plaire. Faites vite, ils seront bientôt là. Ok. Unirayon. Adios, amigo. Je vous ai dit que le Unirayon était devenu puissant. Et bah, je pensais pas si puissant que ça en fait. Pas. Lui il est mort lui. Il avait qu'une vie. Il avait une barre de vie. Hulk, ça va comme tu veux. Il est joué les enfants. Je m'en vais, le vin d'autres cieux. Ça va, tu t'en sors? J'ai pas l'impression. C'est bon, il est mort. Ok. On va réduire ce truc là. Et après on va partir avec. Intégrité 70%. Putain, en fait j'ai même pas vu qu'on avait un problème d'intégrité. Moi j'étais en mode je me battais, tu vois, mais j'avais pas vu que j'allais perdre la particule quoi.
Que fait votre agent? Il devrait être arrivé. Je récupère tous les points qui traînent. Avengers! Salut Théo! Où sont les particules de Bim? Avec moi! T'inquiète! Ramenez-nous immédiatement à la fourmilière. Ils ont besoin de notre aide. Vous avez les particules? Je vais les apporter au docteur. On a besoin de vous en première ligne, Avengers. Accrochez-vous, on se fait attaquer ici aussi? Un peu. Où ça rame un petit peu? Bah oui, les téléportations, ça va pas très bien. Salut Théo, bien joué. Donne-toi au docteur. Avengers, allez-y et essayez de gagner du temps. J'aime beaucoup cette mission. Occupez-vous de ce truc. Je vous rejoins dès que possible. Ce truc? Ça m'inspire rien. C'est bon, les Avengers sont là. Allons-y. Celui-là se relèvera pas. C'est un boss? La machine de l'AIM aura terminé dans quelques minutes. Ça creuse! On va lui régler son compte! Oh, c'est une sorte d'araignée géante! C'est un boss en tout cas! Il a pas l'air content! Oh, il m'a touché! Je sais pas ce que je vais viser. Ok, c'est bon, maintenant je sais ce que je vais viser. Beau travail. Alors, par contre, c'est génial que mes partenaires fassent la même chose que moi. Mais j'ai pas l'impression qu'ils ont envie. Attention, elle se cabre. Elle se cabre, allez-y. Quand je vole, Maintenant, visez son œil. Son œil? Ok. Prenez garde, elle se réactive. Ok, on va partir. Ces aérations latérales semblent surchauffées. Visez. Putain, il y en a beaucoup. Attention, elle se cabre. Elle se cabre? Genre je vole. On bat les couilles, non? Hulk, tu fous quoi en fait? Ah oui, mais par contre c'était Scorchus en fait. C'est le moment. Concentrez-vous sur son œil. Son œil. J'ai l'impression que ça fasse beaucoup de dégâts en fait. Ce que je fais là. En fait si ça faisait des dégâts mais je voyais pas. Il y avait, en fait, il restait un point de vie, j'avais pas vu. Ces aérations latérales sont à nouveau vulnérables. Aïe! C'est pas la meilleure. Non, je suis down! Putain, j'ai pas vu ma vie du tout, gars. Je peux mourir. Merci. Comme ça que une ou deux fois en fait. Après, c'est game over. Je dois tout recommencer.
Qu'est-ce que je fous? Rejoue comme tout à l'heure, Cyrus. Rejoue, calme, calme, calme. Attends. Wow! Ok, d'accord. Une full charge, ça... Ok, nice, nice, nice. C'est bon. Ah, d'accord, faut que je pète le truc... Wow ! Faut que je pète ça. Uni rayon. Je connais un rayon. Oh oh, j'ai pété les trois en même temps. Attention, elle se cabre. Ah, c'est poche. Ok, j'ai eu toutes ces aérations. D'avoir ce truc là. Hulk est down, non? Non, ça. Ah, il est parti là, non? Extinction des feux. On a de la visite. Yeah boy! Woo! Hey, first try les amis! First try! Prends ça, la c'est attention. Génial! Je détecte une forte signature de téléportation. Ah, c'est pas vrai! Bon bah écoute! Bah c'est reparti hein! Évacuer la fourmilière, maintenant! Je ne crois pas non. Oh! Le truc a pas l'air au point. Allez, Tony, où est passé ton petit grain de folie? Incroyable! Ça a marché! Félicitations, Docteur P. La résistance possède une nouvelle arme impressionnante. Ils sont plutôt mignons quand ils sont tout petits. Merci, mes amis. Je vous suis redevable. Alors là, merci pour votre aide. Il y a toujours ce petit côté je vais faire envoyer les rigolo de des armes qui rétrécissent dans ce jeu avec je sais, tu Hank Pym là. C'est génial. Je vais le dire quand même. Elle est mignonne, ouais. Sois prudent. Je ferai de mon mieux. Ok, on va continuer la campagne. Je regarde même pas les quêtes secondaires parce que voilà, je suis aussi vénère que ça les gens. Voilà, je suis vénère avec le jeu. Donc je regarde même pas les quêtes secondaires. Je suis triste hein, parce que j'aime beaucoup le jeu. Mais... Là il m'a trahi, ok. Le jeu m'a trahi. Le jeu m'a trahi. Je vais pouvoir améliorer le laser. Ok, double rayon. Et ça améliore la... Ah ça fait un combo, d'accord, c'est cool. Et les équipements. J'ai mis tout par défaut. Les trucs genre bien. Voici les particules promises par le docteur Pym. Bonne chance Iron Man. Merci, je vais en avoir besoin. Il est ventriloque maintenant. Et donc, c'est quoi exactement Starboost? Rejoins-moi à mon labo, petite. Tu verras par toi-même. C'est cool, les gens sont revenus. Oh, l'écran est tout pété là-haut. C'est une sacrée mission qui t'attend, Tony. Je suis confiant. J'ai fait qu'une seule crise d'angoisse. Je suis presque sûr que tout ira bien. Presque sûr? Désolé, ma langue a fourché. Ce que je voulais dire, c'est tout ira bien. Mais merci de t'inquiéter, Nat. Quelqu'un a dit à Nat que c'était un jeu tout public? Non, parce que là, c'est moi qui ai choisi la tenue, mais bon, c'est pas grave. Non, tu veux pas? Tu veux pas? Non? Tu veux pas que je te parle?
Ok, je te parlerai pas alors si tu veux pas. Y'a pas de soucis, t'inquiète, t'as pas besoin de trembler comme ça. Merci, Nat. Ah oui, ça ressemble à la navion de Splinter Cell. Effectivement, Splinter Cell Blacklist, très très bon jeu au passage. Effectivement, il y avait un avion dans lequel tu pouvais choisir ta mission. Et c'est à peu près pareil que le Chimère. Tous les essais précédents se sont mal finis. Mais avec cet accélérateur miniature, j'ai peut-être une chance. Parkinson à 16 ans, elle va faire un AVC. Ah, peut-être c'est ça en fait. Ah, j'avoue. Je ne sais pas en vrai. Rare. Oh, j'ai la nouvelle tenue de la fille. Et c'était quoi l'autre? J'ai fait un truc, mais je sais pas quoi. J'ai fait quelque chose, je sais pas quoi les gens. Ah, on a réparé ce truc là, d'accord. On est prêt pour ça. Je sais pas ce que c'est, mais on est prêt pour. Déplacer. Oh. Ça a l'air génial. Parce que ça l'est. Un projet de 1,4 milliard de dollars. Je vais peut-être prendre feu au décollage, mais je le ferai avec classe. Elle est classe, l'armure. Elle a peur, en fait. Elle a très peur, on est d'accord. Elle tremble beaucoup, je trouve. Cependant, une forte tempête se trouve sur votre trajectoire de vol. Super, toujours des complications. Il est possible de modifier la difficulté. On peut plus attendre, Jarvis. C'est quoi, une mission difficile, c'est ça? Tony, ça j'ai promet. Chargé un peu de musique pour te donner la pêche. Oh, musique copyright. Oh, yeah. T'inquiète pas, c'est pas la mienne. Ok, allez, musique copyright, les gens. Merci, petite. Let's go, baby. Bon. 3, 2... Tony, tu files droit vers l'orage. Je sais, petit, c'est impossible de faire demi-tour. Hello. Allez. D'accord, il faut que je vise le cercle rouge. Ah, c'est pas facile, hein. C'est pas très facile du tout, hein. On est dans un orage. C'est super beau, en fait. C'est génial. Je fais du mieux que je peux. J'ai pété un truc. Merde. Je crois que l'orage a grillé mes circuits. Kamala, Jarvis, vous m'entendez? Allez, bon sang, mes systèmes commencent à s'affoler. Jarvis, oh boy, Kamala. Oh boy. Je laisse pas Jarvis, des gens. J'ai pris feu. Éjecte le propulseur. Éjecte quand même, non? Je dois le faire manuellement. Waouh, wow, j'ai eu chaud. Oh merde. C'est énorme. Mec, c'est juste trop bien. C'est juste trop bien. Oh. Un atterrissage parfait. Normalement, je peux couper là. En fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai enregistré le passage. J'ai enregistré le passage sur l'OPC au cas où il y aurait un copyright et s'il n'y a pas de son, je peux le récupérer sur l'enregistrement, vous savez. Je suis surpris que ça fonctionne encore. Normalement, ça devrait marcher. La porte. La musique était très faible. La musique était très faible par rapport. Au son du jeu, etc. Il y avait ma voix dessus. Ça devrait le faire. Je pense pas que YouTube va être trop méchant ou Twitch, pour le coup. J'adore son armure blanche, hein, elle est géniale. J'ai beaucoup aimé. Franchement, ça m'énerve en fait que le jeu, des fois, il marche pas. Parce que, regardez, on a des scènes comme ça. Pourquoi je rame? Et ordinateur. C'est bon? Je sais pourquoi je rame. Parce que j'ai arrêté l'enregistrement, il a encodé. Là, c'est bon?
Non, ça marche toujours pas. Si. C'est bon là. Ok, nickel. Bref, en tout cas, ce qui est génial en fait, c'est ce genre de scène super fun, super tripante, etc. Et après, t'as des scènes où bah, ça marche pas parce qu'il y a un bug avec le jeu. Le jeu, il aurait pu être un 10 sur 10, les gens. Ça aurait pu être un des meilleurs jeux Marvel. Vous imaginez? Il l'est pas! Ça m'énerve! C'est le fan en moi qui est énervé. Bon, voyons ce qu'on a là. Une petite minute. Ça n'a aucun sens. Une formule de régénération. Ça pourrait expliquer la grosse tête de Tarleton. Voilà sa source. Probablement un inhumain malchanceux. Ok, trouvons cette porte. Rien de plus facile. Je sauve cet inhumain. Oh. Plus de formule de régénération, plus d'adaptoïdes, et tout le monde est content. Ouais. Ça a l'air d'être un peu trop facile. Moi, si je nettoie, je serais pas aussi formel, quoi. Vu que le jeu nous proposait de baisser la difficulté, je pense que il y a des chances. Il y a des chances qu'on risque de bien en chier dans ce niveau. Donc on fera juste gaffe à ça. On garde ça en tête. Bon, j'ai rien de plus apparemment. Pas d'armure plus forte. Je pourrais améliorer mes armures. Mais pour l'instant je le fais pas. Je le ferai uniquement si le passage d'après est très difficile et du coup j'améliorerai les armures que j'ai sur moi actuellement. Pour les faire monter genre de 5-6 levels. Parce que j'ai énormément de ressources. Hein. Je peux donc le faire. Pourquoi je peux pas descendre? Je peux pas descendre. Toc toc. Quelqu'un? Dans l'espace, y a pas de haut et de bas, mais bon quand même. De la poussière spatiale partout. Doit pas y avoir beaucoup de passages par ici. On dirait qu'il y a l'impression qu'il y a personne qui vient ici. Donc on est venu dans ce satellite et il y a rien du tout. Intéressant. Fais attention à toi. Bon, je suppose qu'il faut monter. Ouh, bonjour. Pas vu, vous avez vu que Iron Man ne court pas. Hein. Quand t'appuies sur le bouton sprint, il fait ça en fait. Donc peut-être parce qu'il y a des gens qui se sont demandé, mais pourquoi tu cours pas et tout? On peut pas courir. On peut pas courir avec lui. On ne peut que marcher, enfin trottiner, ou alors utiliser les réacteurs. Ah oui, avec moi. Pas réveiller les gardes robotiques, rien ne le pourra. Ah, l'atterrissage de super-héros. Ça force toujours un petit peu sur les genoux. Oh, j'aimerais tellement que Deadpool soit dans le jeu. Ce serait trop bien. Et genre, il nous regarderait en mode, il sait en fait qu'il y a des bugs et tout, il en parle. Ils sont peut-être là pour empêcher quelque chose de sortir, pas d'entrer. Wait, tu penserais qu'il y a quelque chose d'assez énorme emprisonné ici? Le courant ici est redirigé vers cette salle. Bingo. C'est une salle cryogénisée ici. C'est pour refroidir cette espèce de réacteur là. C'est gigantesque hein. Oh non. C'est pas du tout inquiétant. Captain. Je le crois pas. Cap. Il était pas mort.
trop bien. Que t'es vivant. C'est cool. Steve. Je me demandais comment ils allaient le ramener. Steve. C'est pas vrai. T'es vivant. Tony. Qu'est-ce? C'est quoi tous ces trucs? Où est-ce qu'on est? Je te tiens, mon pote. Tony. Tu me serres dans tes bras? Ouais. Hein, non, je... Je voulais pas qu'il tombe. Alors pourquoi tu me lâches pas? Oh, c'est juste que... qu'on pensait... Enfin, je pensais que... C'est bon de te revoir, Cap. Je comprends rien. Ouais, allez, viens. Il faut que tu sortes de là. Pourquoi tu me lâches pas? Mais attends. Et Tarleton? Il est vivant? Tarleton? On s'en fiche, non? Mais l'explosion, il était là. Il a survécu. Grâce à toi, apparemment. Et Monica, si on en croit les journalistes. Ça n'a aucun sens. C'est bon, je te tiens. L'évacuation. Tous ces gens. Ouais, ah oui, il a 5 ans de retard, lui. Tu peux marcher? Ouais, ça va aller. Je vais bien. C'est moi ou je joue Captain Allons-y. America? Voilà le cap que je connais. Allez. Bon. Je joue Captain? Quel est le plan? On trouve une capsule de sauvetage et... Il s'est fait congeler encore une fois, le pauvre, j'avoue. T'improvises, là, non? Ouais. Je pensais pas survivre jusqu'ici, à vrai dire. Ouais. Tony, où sont les autres? Où est-ce qu'on est? Oh, dans l'espace. Et Captain America, il vient de se réveiller, mais c'est pas grave, hein. Il voit un coffre, il ouvre, hein, pour le loot, hein. Saut périlleux. Appuyez sur A quand vous êtes en l'air pour faire un saut périlleux. Double saut, alors. C'était pas une blague. Non. Nice. On peut courir sur les murs. C'est Prince of Persia. Ok, je kiffe. Wow. C'est comme le vélo, hein. On doit descendre. Tutoriel avec Captain America, du coup. Atterrissage de super-héros. Ouais, ça nique les genoux. Qu'est-ce qui se passe? C'est une longue histoire. Combien de temps j'ai été? 5 ans. Mais t'as déjà fait bien pire. Oui, t'as déjà fait bien pire. Pour toi. Je commence à croire que les gens préfèrent en glaçon. Ah, tu vois, tu fais déjà des blagues. Un peu nul, mais ça, c'est pas nouveau. J'avoue, le pauvre. Capitaine Rogers. Qu'est-ce qui se passe? Vous n'allez pas nous quitter si Prince of Captain. Monica, ça fait un bail. J'imagine que ton ami Tarleton n'était pas très enthousiaste à l'idée d'utiliser du sang de super-héros pour remplacer les super-héros. C'est moi qui m'occupe des détails. Plus un geste maintenant. Attends une minute. George ne sait rien de tout ça. Et c'est très bien comme ça. En fait, on pourra retourner les deux ennemis contre l'un contre l'autre en fait facilement. Que c'est Monica là qui pose des problèmes. C'est bon. Tarleton, c'est un pion, hein, en fait. Il s'est fait avoir comme tout le monde. Oh là, ils ont l'air d'être pas gentils. Fais pas attention au robot tueur. Dépêche-toi, vous me faites pas. J'essaie. Je trouve un peu insistant pour un mort. Le problème c'est que le bouclier en fait. Commencez par ça. Ah merde, j'ai esquivé dans le rayon. J'ai débloqué un plastron. Ok. Hop. Prends l'autre côté. Force de Captain America. Le personnage, on sait pas vraiment beaucoup de son pouvoir. C'est qu'il est. C'est aléatoire un peu. Genre, il est super fort. On sait pas vraiment ce qu'il a en fait. Il est. Il est juste parfait, on va dire, en termes de super-héros. C'est genre Attention. Un surhomme quoi. Merde. Putain, c'est énorme.
Les gens, j'aime beaucoup ce passage. Attention, vert, cap, il supportera pas ton poids. Sans blague. Je joue Batman actuellement. Ça tourne. Cap, on y est presque. J'aime bien un niveau tournant comme ça, c'est trop bien. Il y a des gens qui sautent dans tous les sens qui viennent m'attaquer. Ah. Oh. Ah bah c'était nul hein. Bah c'était un petit peu nul hein. Et hier, c'est pas exactement ce que... Ah oui, tiens une fois olympique après l'isolement. Oh mais c'est Captain hein, il a... Son pouvoir est... Son pouvoir de régénération est gigantesque. Allez, allez, allez. Mais okay. C'est un peu nombreux hein. J'ai perdu du moteur. Tony. Mais du coup, Captain, il est torse nu. Pourquoi Bruce, il est pas torse nu? Je comprends pas. Pourquoi c'est ils l'ont... Nouvelle, c'est con. C'est bizarre. On va pas mourir dans une boule de feu. Et la mauvaise? Eh ben, on risque de s'étouffer avant. Au moins, on a une belle vue. Ouais. C'est pas faux. Ça va. Bon sang. On y était. Bon, puisqu'on va mourir quoi qu'il arrive, t'aurais peut-être une dernière confession. Tes blagues, je les comprends jamais. Oh, je sais. J'ai lu ton journal intime. Pourquoi détruire le réacteur, Cap? Plein de gens sont morts. Il y avait quelque chose d'enterré au fond de la baie. Une chose reliée au réacteur qui remontait lentement vers la surface. Le séisme. Je devais réagir. La faille de San Andreas était prête à s'ouvrir. L'océan aurait englouti la ville, des millions de gens seraient morts. Putain. J'ai jamais douté de toi une seconde. Ouais, c'est ça. Ouais. Mais il fallait que je l'entende. C'est énorme. Ça veut dire qu'il y a quelque chose sous l'eau. Oh. Mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est Thor? Oh, mais qui voilà? Je vais toujours devoir vous sauver la mise? J'en attendais pas moins du dieu du tonnerre. Salut Thor. Ravi de te voir, Captain. Thor, en fait, comprend jamais comment il peut parler dans l'espace. Je comprends jamais comment il fait ça à chaque fois. George ? Cette idée était de toi. Stark était sur le point de tout nous prendre. Qu'est-ce que j'aurais pu faire d'autre ? Je te faisais confiance. Je t'ai sauvé la vie. Tu peux contrôler des machines par la pensée. Réfléchis à toutes tu les... Tu m'as infecté avec son sang. Ça aurait pu me tuer. Mais tu es en vie. Rappelle-toi notre rêve, George. Oh, comment as-tu osé m'infliger ça à moi? C'est moi qui t'ai rendu fort. Tu m'as volé tout espoir. Il a la grosse tête maintenant. Je vais te donner les mêmes chances que j'ai pu avoir. Qu'est-ce que tu as...
je débarrasserai la Terre des super-pouvoirs. Même si je dois donner ma vie. Je dois débarrasser la Terre des super-pouvoirs. Du coup, je donne des super-pouvoirs à mon assistante. Logique, George. Logique. Hey, salut, toi. Nat, c'est bon de te revoir. Écoute, si j'avais su que t'étais en vie, qui t'avait pris? C'était pas ta faute. Tarleton n'était même pas au courant pour moi. Quoi? Le EID? Le piège? Monica a engagé Taskmaster pour voler le cristal terrigène. Ces hommes ont amorcé les protocoles de sécurité pour mettre le Chimère en pilotage automatique. Mais ce qui s'est passé dans la baie, c'était inattendu. La signature thermique. C'est ce qui a causé les séismes qui ont détruit la ville. Qu'est-ce que c'était? Je sais pas. Nadja, je me demande vraiment si j'avais pas tous ces pauvres gens. Non. C'était pas ta faute. Ce vaisseau n'était pas censé avoir décollé. J'aurais fait la même chose. T'as été piégé. Je le savais. Désolée. Viens, il faut vraiment que tu vois ça. Pour lui, c'est bizarre en fait. Quand il la voit, c'est une gamine. Là, il la revoit, elle est géante et en plus, elle est. Elle est dans les Avengers. Le cul de l'Amérique, les gens. Ravi de vous revoir, Captain Rogers. Au nom de toute l'équipe, je peux vous dire que vous nous avez manqué. Merci, Jarvis. Je suis content d'être là. Depuis que le Chimère a failli s'écraser dans Manhattan, la situation a empiré. Je crains que l'AIM n'en profite pour intensifier les persécutions à l'encontre des inhumains. Nous ne les laisserons pas faire. Le monde a besoin des Avengers, plus que jamais. Nous nous préparons pour notre ultime confrontation avec l'AIM. J'ai terminé l'analyse des schémas de Monsieur Stark afin d'équiper les Avengers pour cette mission, mais il nous manque plusieurs composants spéciaux. Merci, Jarvis. Il est temps de nous remettre en forme pour combattre. Voyons ce qu'il nous faut. Excellent, monsieur. Dans le cadre de cet effort conjoint, nous devrions sans doute aider nos alliés. Étant donné le contrôle étroit qu'exerce l'AIM sur les réseaux de communication à travers le monde, le commandant Hill et le Dr. Pym ont des difficultés à coordonner nos opérations. Oh, un plein monsieur secondaire qui ont popé, quoi. Ils ont requis notre assistance pour détruire le principal centre de communication de l'AIM afin de faciliter l'union des forces de résistance. Allons leur rendre ce service, mon vieil ami. D'accord, je comprends mieux. Mission emblématique. Ah ouais, d'accord, c'est pour avoir le costume original. Ça peut être bien. Wakanda, je crois qu'il va y avoir une mise à jour de Black Panther bientôt. En parlant des médias, de plus en plus de chaînes d'information évoquent la coopération de notre cher Thor Odinson avec d'anciens scientifiques de l'AIM dans une région isolée de la Scandinavie. Probablement des images fabriquées pour servir la propagande de l'AIM contre les Avengers, mais cela mérite une enquête. Ouais, je suis probablement. Mettons Thor sur le coup dès que possible. Donc une mission de Thor, mission disponible. Thor est maintenant disponible dans la section des héros. D'accord, Siri, d'accord, on a des missions emblématiques pour tout le monde, c'est génial. C'est-à-dire que si je fais ces missions-là, je peux avoir le costume original du perso. Là, ce qui va se passer, c'est que là, je remarque, j'ai pas remarqué depuis tout à l'heure, mais j'ai l'impression que c'est pas... J'ai l'impression qu'en fait, au début, ça allait bien, et là, maintenant, ça part un peu en couille, le framerate sur le jeu. On va voir si c'est mieux comme ça.
Wait, j'ai annulé les modifications, je suis trop con. J'ai annulé les modifications. Stupidos. Voilà. Morshiba, c'est moi qui ai oublié que où tu as pas fini à Outer Wild. Ben non, j'ai pu jouer en fait au jeu. Alors. Parce que en fait ça m'énerve parce que c'est pas fluide sur OBS mais c'est fluide pour moi. Du coup moi je vois pas, moi je joue tranquille. Et après vous en fait vous avez un truc dégueulasse de votre côté. Attends, je vais faire un truc. Je vais faire une action qui va probablement foutre en l'air le live. Vous me connaissez, moi, mes fameux problèmes, hein, les gens. Mes fameux problèmes de... Ah, mais attends, je suis bête. Attendez. Hop. Je suis en gamme capture, propriété. Limiter la fréquence d'image de la capture. Si j'enlève ça. Ça fait toujours pareil. Et si je fais ça, et si je remets à moitié, et je valide. Ouais, c'est mieux. J'ai l'impression. Ouais, j'ai l'impression que c'est beaucoup mieux. C'est mieux. Je pense que c'est mieux. On verra de toute façon. De toute façon, à la rediffusion, on verra. Les gens ils vont dire « Oh, bah c'était un petit peu de la merde, Seros, quand même, ce que t'as fait. Hein, t'as enregistré sur un PC de merde. » Non. Non, mais... Je sais pas. Ça marche une fois sur deux. Des fois, je fais un réglage, ça marche pas. Là, en fait, le pire, c'est que j'ai enlevé tous les trucs que j'avais mis avant et j'ai remis, tu vois. C'est trop con. Alors, en effet, c'est pour ça qu'à chaque fois, je perds des putains d'FPS à cause d'OBS. Ouais, OBS, c'est... franchement, c'est horrible. C'est horrible, en fait, ce qui se passe à cause de ça, tu vois. Alors, on va aller récupérer une meilleure équipement. J'ai 0 points de compétence pour l'instant. Il faut que je fasse... Oh! On a le costume original de Captain America. Mais je l'aime pas trop. Donc je mets pas, je vais mettre le costume que j'ai là. Et lorsque je jouerai les autres persos, je suppose que je pourrai améliorer leur tenue aussi. Alors, les gens, j'avais vu une vidéo sur internet et je veux la faire avec vous. Je veux juste faire... Nat. Tu fais quoi, Nat? Nat. Pour être honnête, je m'étonne pas que t'aies continué à te battre. Tout ne s'est pas passé sans accroc. J'ai bien failli m'égarer comme les autres. Tu es là aujourd'hui. Ça me rassure de savoir que tu es avec nous. Oh, j'en peux plus de ce jeu. J'en peux plus, ok? Putain. Tony, répare ça, s'il te plaît. Elle est cassée. Sacré sauvetage, hein? Maintenant que t'es de retour, notre cher George doit s'arracher les cheveux. Il va agir de manière imprévisible. Il a pas de cheveux? Nous devons être prêts à toute éventualité. Mais il a pas de cheveux, qu'est-ce qu'il raconte? Ah merde, je croyais que c'était Hulk, mais en fait pas du tout. Ok, j'ai rien du tout ici. Alors, ce que je voulais faire, c'est que... Il y a normalement maintenant... Vu que le monsieur, il est là... Nous avons normalement accès à la chambre de Thor. Et dans la chambre de Thor, il y a quelque chose d'intéressant. Faut que je la trouve. Faut que je trouve sa chambre. Il y a un truc super intéressant. Bruce... Thor. Je devrais peut-être demander à Thor de m'aider à décorer. Merde. Son marteau est pas là. Normalement, il y a le marteau de Thor qui est là. Et en fait, avec Captain America, on peut légèrement le soulever. Et c'est rigolo. Parce qu'avec tous les autres personnages, ça bouge pas.
J'avais vu une vidéo justement où il disait le marteau de Thor ne peut pas être soulevé par les autres persos sauf par Captain. Et c'était cool. Dommage. Thor n'a pas laissé son marteau. Peut-être plus tard. Peut-être beaucoup plus tard d'ailleurs. Je vais aller voir le. Qu'est-ce qu'il dit ? Ah ! Probablement en train de sauver le monde, d'accord. Rogers ! C'est comme la scène de film. Ouais, c'est ça. Ils ont fait pareil. Oh ! Il faut que j'installe ça. Je suis un peu rouillé. Oh, il est un peu rouillé, du coup, je pense qu'on va faire un petit entraînement à l'arme. Ah, ma vieille encyclopédie. Je m'habitue pas à Internet. Et pourtant. Je serais fier de voir ce que le Shield est devenu. Peggy ! J'aimerais que tu sois là pour le voir. Peggy Carter ! Ah. Je préfère ça à ma capsule cryogénique. Vous avez vu cette différence aussi par rapport au lit des autres ? Genre Thor, c'était une chambre un peu... genre vraiment de l'époque, etc. Lui, c'est vraiment un truc militaire, genre vraiment le lit au carré, avec la petite mallette au pied du lit. Ils ont vraiment poussé le détail pour chacun des persos. Si on va dans la chambre de Kamala, je suis sûr que son lit est pas fait, tu vois. Bon, son lit est... Bah, elle dort où? Elle dort là? Mais c'est même pas un lit, c'est une fenêtre. La pauvre, elle dort sur une fenêtre. C'est horrible. Je peux lui parler, du coup? Hé, hey, Kamala, t'as fait beaucoup de dessins, je trouve. Et je préfère notamment beaucoup mieux ce costume, tiens. Oh, bonjour, Captain America. Oh, j'aurais jamais cru avoir la chance de travailler avec toi. Je peux le dire encore une fois? Je suis qu'un gars de Brooklyn comme les autres. Ouais, c'est ça. Un Captain America comme les autres. C'est ça. Captain America comme les autres. T'as tout compris. Bon, allez. Alors, assez regarder les Easter Eggs et compagnie. Let's go faire la quête. Alors... Il y a des trucs là-bas. Je vais voir si je peux acheter un... Avec l'argent du jeu, si je peux acheter un nouveau costume. Parce que je pense que j'ai vachement économisé. Et j'ai le droit d'acheter un... Non! C'est de l'autre côté! Mais c'est Bruce, ça, non? C'est toujours aussi propre et rassurant ici. Bruce, t'as tenu le coup toutes ces années? J'ai connu des hauts et des bas. Kamala m'a vraiment aidé à sortir la tête de l'eau. J'ai hâte de la connaître un peu mieux. C'est vraiment quelqu'un de bien, Cap. Une des meilleures personnes que je connaisse. Bonne nuit, Rachel! Merci d'être passé sur le live, c'est très gentil de ta part! Et à très bientôt dans un prochain live. Et bien sûr, bonne nuit à tous ceux qui partent. J'ai beaucoup de choses à rattraper. Il va falloir y mettre des aliments plus sains. Maintenant que les Avengers sont repris du service, nombreux sont ceux qui observent le ciel avec inquiétude. Bienvenue à vous, Avengers intrépides. Merci. Je vous échange des marchandises contre votre mort. Bonjour, Chastity. Dites-vous que je suis votre seconde garde-robe. Fuck, j'ai toujours pas assez d'argent. Ça augmente pas, hein. Je peux pas acheter ces trucs-là. Non, je pense qu'en fait, ça c'est pour nous obliger à acheter des crédits et pour les dépenser. Désolé, je viendrai de voir à chaque fois pour voir si j'ai des trucs. Mais si j'ai pas, tant pis. Hein. Je vais pas dépenser de l'argent tant que le jeu est pas réparé. Franchement, il répare le jeu. Il répare tous les bugs qu'on a trouvés là, les petits problèmes de chargement, de texture, tout ce que vous voulez. Et là, peut-être que je réfléchirai à foutre de la monnaie dedans pour avoir un costume. Mais je mettrai pas de la monnaie dans un jeu qui ne marche pas. A plus, GLT. C'est très bizarre comme message que tu m'as fait. Mais à plus. Alors, la mission de Hulk, j'ai terminé depuis longtemps. Ça, c'est une mission pour Black Widow, je crois. Par rapport au dessin. Ah non, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Zone de la régimination, mission terminée, d'accord. Il faudra que je cherche les missions pour avoir le. Pour avoir les trucs de Captain. Alpes Scandinave. Ça c'est Thor. Ça c'est mission de. Série de missions de Thor. Ok. On devrait peut-être pouvoir les jouer parce que j'ai pas beaucoup joué Thor. J'aime beaucoup son marteau. Mais là, comme on est avec Captain, on va rester logique. Et ça c'est. Non, c'est 39, putain, j'ai pas l'équipement pour.
En gros, le plus 39 que vous voyez, c'est le niveau d'équipement que j'ai en vrai. Alors, j'ai 3 nouvelles missions ici. Alors ça, c'est Black Widow, Thor et Captain. On va faire celle de Captain. On va peut-être faire les autres, je sais pas, on verra. Ça, je peux pas le faire, il est trop dur. On va faire celle de Captain déjà. Et en fait, on va aussi enchaîner sur les missions pour avoir son costume. J'aimerais bien avoir son costume, tu sais. J'ai fait beaucoup d'histoires d'affilée, très peu de missions secondaires ce soir. Donc là pour le coup, on va essayer de faire un petit peu de secondaire pour voir si on s'en sort bien. J'espère que vous n'êtes pas trop rouillé, Captain. Mission d'esquive. Cela fait longtemps après tout. Je suis un peu rouillé, ouais. Je suis trop tôt en fait. Faut vraiment que j'attende le dernier moment. Le timing est vraiment off, tu vois. Ah ouais, très off, ouais. Vas-y, reviens, petit robot. Soit je suis trop rapide, soit je suis trop tard. Si j'avais des mains, je serais en train d'applaudir. Merci bien. Maintenant, ils vont nous apprendre la parade. C'est pareil pour tous les persos en fait. Ils nous apprennent à jouer chaque perso. Blocage au bouclier, RT. Tout simplement. C'est parti. Vous avez une parade réussite que ça fait ? Ça knocked out tout le monde en fait autour de vous. Au. 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 Ça fait mal. C'était admirable. Tu crois en moi, merci à toi. C'est gentil. Projetez vos ennemis en l'air avec le combo Y, Y, Y. Puis appuyez sur A pour sauter. Poursuivez votre attaque avec X ou Y. D'accord. Vous souhaitez commencer ? 1. 2. 3. Un, deux, trois. Un, deux, trois. Excellent travail. J'aime bien ce combo. C'est génial. C'est combo très aérien, tu vois, c'est cool. LB pour encourager votre coéquipier à l'action. Les ennemis à proximité et ceux attaqués, tant que le cri de ralliement est actif, les ennemis marqués par le cri subissent des dégâts. D'accord. Allons-y. Des dégâts accrus, c'est cool. Cri de ralliement. Attends, je... Je lis ton message après. Ça fera l'affaire, je crois. Bien. Attends, je lis ton message maintenant même. Oh, pardon. Jouer. Je vais remettre l'application sur mon téléphone, ce sera plus simple quand ce genre de choses arrive, parce que je me loque pas forcément. Boum. Ça fait bim, bam, boum, ça fait shifté, ça fait vroom. Alors. Aouh, il y a mal au ventre. Il y a mal au ventre. C'est bon, c'est fini. Ça fait plus mal. Ça fait, je sais pas pourquoi. Je retire ce que j'ai dit. En 30 secondes, j'ai mal au ventre, je sais pas pourquoi. Du tout. Voici quelque chose d'un peu plus agressif, Captain. Plus agressif ? Donc, alors, c'est les vagues d'ennemis, il faut survivre à 3 vagues, c'est très compliqué avec Iron Man, ça m'a duré 2 heures. Quand t'as enfin ta carte bleue et que t'essaies désespérément de troller ton youtubeur préféré. Pourquoi tu veux me troller ? Me troll pas ! Me troll pas, sois gentil ! Merci à toi pour les 5 euros, j'aime les. Merci à toi ! Avec ton pseudo dégueulasse. Mettons-nous au travail. Déjà un gros ?
Merde, dégage toi. Il est où le gros? C'est tout? Oui, l'autre. Ah, il est là-bas. Nice. Bon, ça va. Pour l'instant, ça va. La vague numéro 3, normalement, est la plus difficile. Lui, il est bien shieldé, il est chiant, lui. Ah, mais par contre, si tu arrives à le stun, en fait, il faut pas l'enchaîner et il pourra plus jamais se shield, en fait. Ah. C'est abusé parce que Iron Man, j'ai pris 2 heures pour faire, c'est abusé. Comme quoi, en fait, Iron Man est vraiment difficile à contrôler. Je dois dire que cela fait plaisir de vous voir dans votre élément, Captain. Merci, ça fait plaisir aussi, là, du coup. C'est génial. Hulk Robot versus Captain Seros. Bah, peut-être. Les skills sont au rendez-vous. Les pseudos du mec qui a fait le don. Ouais, vous avez vu. Il a fait un don avec un pseudo. Il a espéré que je le dise à haute voix. Je l'ai vu, hein. Je l'ai vu avant. Non, mais tu t'améliores, c'est tout. Ous. Peut-être. On va dire coussi coussa quand même. Hein. Coussi coussa. Oh, j'ai pas eu de point de compétence par contre pour ce que j'ai fait. Mission réussite. Continuer. Et maintenant, sélectionner une mission. On va faire celle de Black Widow. Si. Oh, c'est chiant parce que c'est. Ça reste quand même des missions les mêmes, quoi. C'est les mêmes missions. Apprendre l'esquive, apprendre ça, blablabla. Nanana. Je le ferai hors live. Je le ferai hors live parce que c'est pas forcément très joli. Enfin, là, pour le coup, c'était pas mal. Mais je veux dire, c'est pas forcément super génial à regarder en live, quoi. On va plutôt faire des missions où il y a de l'histoire et il y a des trucs, quoi. Ça, c'est la mission... machin. Soit, je vous donne le choix, en vrai. Soit on fait cette mission-là. C'est une mission qui va permettre de débloquer un costume supplémentaire à la fin de cette mission, mais c'est une mission basique sans vraiment scénario. Il y aura juste un combat de boss, peut-être un peu difficile, mais un combat de boss et tout. Ou alors on part, on continue l'histoire et probablement finir le jeu ce soir parce qu'on a jusqu'à minuit, les gens. Donc c'est vous qui voyez, Captain. Oui, Captain, mais les deux, c'est Captain de toute façon. La mission principale. Ah, ok, d'accord. Oui, je viens de comprendre, en fait. La mission secondaire pour Captain ou la mission principale. Oui. Cap. Si j'ai un quatrième cap tout de suite, genre juste après ce message-là, je le fais. Tenu. Oui, mais c'est la même personne. Donc, il a voté 2 fois. La tenue de cap. Ok, bon, c'est bon. Tout le monde a choisi cap. Let's go. C'est bon. C'est bon. Il est quelle heure chez toi? Là, il est minuit 24. Commandant Hill, l'AIM répand ses mensonges sur la résistance depuis trop longtemps. Je m'inquiète pas. Il faut arrêter ça. On doit rétablir la vérité. Mais leur réseau satellitaire est gigantesque. Tant qu'il fonctionne, ils contrôlent l'information. Jarvis a localisé plusieurs des centres de communication par satellite de l'AIM. Cap ou cap ou pas cap? Si on peut en détruire un, c'est cap. Tout le réseau qui s'effondre. Au moins pour quelques heures. On pourrait envoyer un message à toute la résistance. Temporairement. Donc, on devrait être bref et concis. Nous n'avons pas d'armes assez puissantes pour neutraliser un satellite. Comment voulez-vous faire? Le satellite est relié à la Terre par un gigantesque ascenseur spatial. On va le prendre pour nous rendre là-haut. Ascenseur spatial. Ok. Cette fois-ci, en compagnon, je vais prendre Thor.
Hulk et Iron Man. Pour être comme les premiers Avengers. Je pense que ça peut être une bonne chose. Je vais prendre. Pourquoi Veuve Noire l'a choisi ? Non, je vais pas te choisir. Non, Iron Man. Pas Kamala. Ouais, c'est une équipe de bonhommes. Oh, j'avoue, c'est une équipe de bonhommes. Ah, et puis, pas grave, c'est mon équipe. C'est moi qui choisis. Tant pis. On fera une équipe full girl tout à l'heure. D'accord ? Ça vous va ? Il n'y a pas assez de filles pour une équipe full girl. Il manque une troisième fille en vrai. Il faudrait Kamala, Veuve Noire et Iron Man et son fille, tu vois, genre la femme de Pepper Pot là. Alors qui aurait en fait en fille on a la gardienne de la galaxie, la verte là, j'oublie son nom. Granola ? Non, c'est pas, comment elle s'appelle encore la fille ? C'est pas Granola, Granola c'est pas c'est des céréales ? Je sais plus. Je sais plus comment elle s'appelle. Bref. She-Hulk. Vous allez Gamora. Devoir récupérer les codes de lancement de cet ascenseur spatial. C'est risqué. Ah oui, Miss Marvel, oui, Captain Marvel. La résistance est vulnérable. Nous devons trouver un moyen de Captain nous organiser. Marvel. Et il est primordial qu'on puisse communiquer. Il y a la guêpe. Oui, il y a la guêpe. Mais franchement, j'ai adoré la scène dans Endgame. Avenger Endgame, quand t'as toutes les Je meufs réunies. Je présume que vous savez où trouver les codes. C'était magnifique. Jarvis a fait des recherches. Je regarderai un film avec elle. Uniquement avec elle, moi je regarde. Wonder Woman, ça arrive en décembre. Ça a été repoussé en décembre, les gens. Wonder Woman, ce film a l'air énorme. 1984, il a l'air trop bien. Mais il sort en novembre, en décembre. Ils ont repoussé le film au moins une dizaine de fois à cause du Covid. C'est à peu près insane en fait ce qui se passe. J'ai oublié de changer le costume de Thor, il est toujours en t-shirt. Bien, allons récupérer ces codes de lancement. Ok, c'est bon. Ah ouais, c'est compliqué là, Captain, il... Cherchez un coffre d'équipement à proximité. Il saute haut, mais il saute pas si haut que ça, quoi. Alors, un coffre d'équipement, il y en a un à droite. S'il saute loin quand même, ça va. Si, ça va, ça va, ça va. En fait, il se déplace... Il se déplace bon, légèrement va, comme... Oui, ça va. Comme Hulk. Bon, peut-être un peu nerveux. Ça devait arriver. C'est moi qui m'a parlé alors qu'il est pas là. Ah, peut-être que c'est une mission avec les deux et j'ai déconné en fait en choisissant d'autres persos, tu vois. Comment on casse les portes avec Captain ? En arrière ! Oh, cette douleur ! Il est en train de se faire défoncer là-bas. Thor, je veux dire. Ouais, Thor, il est mort. Mais mon problème, c'est pas ça, c'est qu'il y a un coffre ici que je peux pas récupérer parce que Captain n'a pas de capacité qui permet d'ouvrir les portes cassées. Goddammit. C'est un peu nul, ça, par contre. Nul ça par contre, je suis pas d'accord. Je crois qu'on devrait se dépêcher. Je suis d'accord. Bon, si je peux recommencer la mission,
je la quitte et je reprends en fait les deux filles. Parce qu'apparemment elles sont. Elles ont des dialogues, mais pas les personnages que j'ai. Moi je voulais faire une petite équipe, tu sais, genre Avenger original. Avec Hulk, Thor, Iron Man. Mais en soi, c'est le jeu n'a pas juste choisi ça, quoi. Cap, il nous faut ces codes. J'arrive. C'est chronométré? Ben non, je vois pas. Un méchant de moins. J'imagine que le commandant, c'est le grand costaud? Celui qui est dans la zone centrale, oui. Il faut qu'on détourne son attention. La porte est simplement infranchissable car il fallait trouver les verrous. Non, Casino! Les portes qui sont fêlées, tu dois les casser. Et là, je pouvais pas la casser parce que je peux la casser avec Hulk, avec Kamala, etc. Mais pas avec Captain parce qu'il n'a pas de pouvoir qui permet de casser. Et ça, c'est nul. Cherchez un coffre contenant des ressources spéciales à proximité. Oh mon dieu! Un cri rallumant là par contre. Hein. Les gars! Ah bah non, bah Thor il a tout nettoyé! Excellent travail. On est en train d'extraire les codes. On peut prendre l'ascenseur? Pas encore. Non. L'ascenseur est contrôlé par un système d'authentification multipoint alimenté par 3 boîtes de jonction. Ok. Jarvis devra en prendre le contrôle pour simuler l'authentification et vous faire entrer. D'accord. Pourquoi ça peut jamais être simple? Ah, arrête de... J'arrive pas aussi loin. Ok, j'ai des gens à libérer ici, je crois. Alors je vous rassure, hein, ou pas, hein, mais les ralentissements en fait. Oh. Il y avait un truc pas loin là. Monsieur, l'AIM est désormais en alerte maximale. Vous avez rencontré une forte résistance dans le centre de transport. Je vais prendre ça. Si le... Ah ! Je peux pas pirater ! C'est Black Widow qui peut pirater, mais en vrai, il faut que je joue en multi à ce jeu, c'est sérieux. Parce qu'en fait, les personnages gérés par l'IA, ils vont pas pirater pour toi. Par contre, si t'avais un autre joueur qui jouait Black Widow, elle aurait pu pirater, tu vois. Fais chier. Je vous c'est jure. Maintenant ou jamais, Cap. Allez à l'ascenseur avant qu'il ne le verrouille complètement. Ok, on va y aller. De toute façon, je vais tout défoncer sur le passage. Clairement, tu vois que le jeu a été pensé vraiment... En fait, c'est ce genre de niveau où c'est obligé d'être multi. Un de nos alliés du SHIELD a besoin d'aide, non loin de votre position. Ah mais c'est Iron Man, je suis en train de taper Iron Man.
Qu'est-ce que tu fais, Thor? Pourquoi tu balances tes grosses attaques sur un petit gars? Mais il est taré. Le mec a une attaque de merde. Oh. Non, il faut tuer. Il y a un drone qui protège. Il lag. Ok, Hulk, fais ce que t'as à faire, Hulk. Ok, bien joué, les gars. Bien joué, ouais, je parle à l'IA, ouais, ok. Arrêtez, ne jugez pas. Ça a marché. Théo. Dommage qu'on peut pas changer de personnage. Vous êtes en sécurité maintenant. C'est vrai que ça aurait été pas mal de pouvoir en solo de prendre n'importe quel perso. Genre on est en train de jouer et d'un coup j'appuie sur un bouton, je switch entre Iron Man, Hulk et Thor. C'est une très bonne idée ça, franchement ouais. On dirait Star Wars Lego, tu peux pas accéder à des places que tu n'as pas le perso. C'est ouais, mais je crois pas que c'était voulu. Tous les personnages ont des trucs, il y a juste Captain qui peut pas en vrai. Parce que tous les autres persos peuvent hein. Donc ça laisse penser que peut-être que j'ai pas l'attaque, mais peut-être que j'ai pas l'attaque en fait, tout simplement. Sécurité pour que. Est-ce que j'ai un point de compétence? Oui, j'en ai un. Peut-être qu'il y a une attaque en fait. Lorsque vous êtes dans les airs, maintenez Y. C'est ce que je fais depuis tout à l'heure. Appuyez sur Y quand vous sprintez. Appuyez rapidement sur Y après une esquive. Combo. Ça a l'air bien ça. Le méga combo. Boop. Ok, dans sa tête. Appuyez sur Y lorsque vous bloquez au blocage bouclier pour provoquer une puissante onde de choc. Ah, nice! Et ça, c'est... appuyez rapidement sur Y après une démolition au bouclier pour effectuer une attaque supplémentaire. Maintenez Y lorsque vous êtes sur Terre pour ruer en avant les gens. Peut-être. Je dis bien peut-être, hein. Que c'est ça. Puisse entrer. Cette attaque-là. L'AIM va tenter de l'éjecter. Alors vous allez devoir les repousser. Peut-être que cette attaque-là peut casser les murs. On sait pas. On verra. Prochaine fois, on voit un mur filé. On va essayer de le casser comme ça. Ah ou. Débarrassons-nous-en. Plus vous aurez de jonctions, mieux ce sera. Continuez. L'AIM a pris le contrôle d'une jonction. Ils essaient d'expulser Jarre. On prend le dessus. Oui. Oui. Bon, Jarvis va commencer. Ils ont pris qui? C'est... Mais c'est où? C'est des armoires, ouais. Vous devez éloigner l'AIM de ces jonctions. B maintenant. L'AIM a repris le contrôle d'une jonction. On va les arrêter. J'aime pas ces missions-là. C'est tellement plat. Genre, prends des points, hein. Voilà. C'est nul. C'est tellement mieux, en fait, dans ce jeu. Ce jeu propose tellement de bonnes missions que c'est nul, en fait, de faire ces missions-là. C'est... Les combos sont difficiles à effectuer? Non, c'est du 4xA, 4xB, enfin, etc. Mais il faut garder le contrôle des jonctions. Facile de ouf. En plus, il n'y en a pas énormément. Il faut parfois savoir courir avant de savoir marcher. Putain, ils prennent A et C en même temps. Vous devez éloigner l'AIM de ces jonctions.
essayer de combattre les armes. De toute façon, c'est le boss. Non, peut-être pas. Mais bon. Non, en vrai, le jeu est pas compliqué de ouf. Hein. Après, ce qui est compliqué, c'est quand il y a énormément. Quand il y a énormément d'ennemis en fait et qui t'entourent, là ça peut vraiment devenir compliqué. Les systèmes de sécurité de l'ascenseur ont été désactivés. Vraiment. Après, t'as des ennemis particuliers qui sont vraiment chauds à tuer. Ça va, on les a pas encore vus là, mais avec la Veuve Noire, on en a eu pas mal. Qui était vraiment très difficile à tuer. Mais sinon, en soi, ça va. Le jeu se joue très bien. Il est comme Spider-Man, si vous voulez. Et au niveau des combats, c'est vraiment comme Spider-Man. Concentre-toi. Hé, hey, tu me donnes pas d'ordre, toi. Attention, monsieur. Ça va être un voyage assez mouvementé. Oh. Accrochez-vous. Impressionnant. Impossible de dire quel système de défense protège ce satellite. On entre, on active l'autodestruction et on s'en va. C'est clair? Hyper clair. Oh. Trouvez la console pour ouvrir les portes du centre de contrôle. Des fois, Hulk qui fait peur. Des fois, Hulk qui fait très peur. Il rigole comme un méchant. Il se passe un truc là. Il se passe un truc ici. Vous avez des fils. Attendez. De chaque côté, mais c'est pas allumé. Fais comme si j'ai rien vu. Fais comme si on a rien vu, les gens. L'AIM aime vraiment doubler ses systèmes de sécurité. En effet. Vous devez tout désactiver pour neutraliser ce satellite. Petit niveau dans l'espace. On est prêt, Cap. Dès que le satellite est neutralisé, on envoie un message à un maximum de monde. Au travail. C'est l'heure de la sieste. Wow. Dans le vide. Cap, tape dans le bouclier comme dans le film. Alors, point B, point machin, il faut les détruire. Ça c'est pour après. Ouais, je pense. Ok. Ouais, tapons tous dessus comme des bourrins! Yeah! Ouais, prenez ça! Mon arme secrète! Unirayon! Ah non, il a pris le. Non, il a fait apparaître le méga. Le méga Hulkbuster. Niveau de chaleur critique. Réaffectation de l'énergie disponible pour maintenir l'intégrité de la station. Le réseau de communication commence à s'effondrer. Nous avons pu transmettre un message à nos avant-postes sur la côte. Merci Hulk, merci Captain d'avoir volé. Iron Man d'avoir volé mon kill. Je dirais rien. Hein. Putain, le mec. C'est quoi ça? Je me fais viser par un truc, je sais pas c'est quoi. Fini pour toi. Faut que je change le skin de Iron Man, je confonds avec les ennemis. Oh, je prends cher. C'est quoi ce truc? Mais t'es qui toi? Mais vous avez des pouvoirs. Mais c'est d'où sort vos pouvoirs là? C'est quoi le délire? Je soignais en vie. Ah, faut faire ça. Ah,
Il a des pouvoirs, il peut me follow et tout. Il est... Attends, mais... Oh, regardez ça, il a des pouvoirs anti-gravité. En fait, il a les pouvoirs de Quake, hein, c'est ça? Ah, il va mourir. Centre de communication compromis. Alors, je peux pas Iron Man parce qu'il vole. C'est con, hein. Mais Captain est beaucoup mieux au niveau des combos, j'arrive à mieux esquiver, etc. Ah oui. Mais est-ce que j'ai le temps de mettre un petit peu des trucs bien, en fait, sur moi? J'ai 2 points de compétence. Donc ça attendra. Attaque surpuissante. Maintenez RT pour viser. Lancez le bouclier jusqu'à 3 cibles différentes. Appuyez RT en frappant avec le bouclier pour relancer plus de force qui inflige des dégâts accrus envers les ennemis. Et les renverse. D'accord. Nice. Alors ça c'est quoi? Appuyez sur X après avoir paré une attaque au bouclier pour utiliser une puissante contre-attaque. Ok, là c'est Y. Et ici ça bloque. Oh! Parer un projectile avec RT en utilisant parade de bouclier juste avant l'impact renvoie le projectile sur l'attaquant. Ne renvoie pas les attaques de rayon, mais je peux renvoyer les missiles. Réduit le coût en énergie intrinsèque de blocage au bouclier de 15%. Ok, je vais prendre ça. Et ça c'est quoi? Amélioration de l'énergie. Augmente la quantité d'énergie maximum. Allez, on augmente ça. Comme ça, on peut bloquer des trucs bien. Ok. Attendez, il faudrait que j'augmente l'équipement aussi. Voilà. Vous voyez pas l'équipement, mais c'est pas grave. J'ai augmenté. Courons, les amis! Courons vite! Je me mets là-dessus! Et c'est pas grave, puisque ça tombe bien, j'ai déjà vu tout à l'heure! C'est moi, oui, il fait chaud! Oh, Hulk l'a écrasé! Il se passe quoi? Ils sont invisibles! Ça pète de partout, il faut fuir! Regardez, là en dessous, il y a la terre! On reprend l'ascenseur et on s'en attention. Va! Attention, intégrité de la station compromise. Veuillez évacuer immédiatement. Est-ce que quel costume j'ai eu du coup? Parce que vous oubliez, c'était une mission pour gagner un costume. En vrai, les missions secondaires sont légèrement scénarisées. J'avais oublié. C'est plutôt pas mal en vrai avec les personnages qui parlent et tout. C'est pas comme les autres missions secondaires où ça parle pas du tout. Jarvis, envoie le message. Tout de suite, monsieur. Ici Captain America. Ce message s'adresse à tous ceux qui luttent contre la tyrannie de l'AIM. À tous ceux qui ont peur, qui sont désemparés. Les Avengers sont de retour. Nous ne vous laisserons pas tomber une nouvelle fois. Ouh. Ouh. Ok. Alors quel costume j'ai eu du coup? Rien du tout. Attends, je suppose que j'ai pas fini en fait. J'ai pas fini. Il y a d'autres missions. Ah bah oui, c'est pas fini. Alors, pour finir en fait la mission emblématique, il faut que la barre ici soit entièrement remplie. Et pour le coup, c'est pas fait. C'est pas le cas. Alors, c'est quoi le prochain? Pousser des cris de ralliement, 5. Bloquer les attaques, 25. C'est ça les autres missions en fait. Obtenez de l'XP pour la faction Shield en finissant les tâches de mission. Et obtenez de l'XP pour l'Alliance des Inhumains. Et après, j'ai le costume. Et c'est le costume de Captain America du film apparemment. Ok, bon, mais c'est un peu chiant. Mais ça, on peut le faire en faisant les quêtes principales. Donc, du coup, on va faire la quête principale. Il veut bien. Ouais, c'est bon, il peut. Salut, Ion Révèle. Il a un peu cheaté le mec tout nous qui vole. Ouais, t'as vu? Mes chers concitoyens, nous sommes actuellement avec des manifestants qui se sont rassemblés pour lutter contre la menace qui pèse sur nos libertés. Ce matin, les chefs de toutes les agences militaires majeures ont été capturés par les nouveaux adaptoïdes de l'AIM. La panique s'est déclarée quand les gens ont vu les vaisseaux de l'AIM survoler les grandes villes du pays. Tandis que l'armée commence à se mobiliser, une forte tension s'abat sur la nation. Bien sûr. Mes inventions, c'est... Ce sont... mes inventions. Attendez! Il se passe quelque chose! Attention! Monsieur, je capte un signal de détresse à Sanctuaire de la Résistance à New York. L'AIM essaie de nous piéger. Si on leur porte secours, ils feront croire qu'on peut-être attaque... Peut-être que ça nous nuira. Mais si quelqu'un a besoin d'aide, alors on l'aide.
Faites ce que vous avez à faire. Nous partons à l'aube. Hey Cap, Pim nous a envoyé les informations qu'il avait sur New York, si tu veux jeter un œil. Rejoins-moi au labo de Tony. J'arrive. Ok. Je ne sais pas si je peux changer le costume de mes autres compagnons ici. Le seul moyen de le faire, c'est d'en lancer une quête arme. Et je peux et je change après chacun de son tour, tu vois. Je vais faire ça d'ailleurs. Je vais faire ça, comme ça on changera le costume de Thor. Du coup, oh, c'est quoi ça? C'est Captain America, c'est fini. Ici c'est Black Widow. Elle aussi, elle a des petites... Captain Marvel... J'ai pas fait son Miss Marvel, moi, dans son entraînement non plus. God damn it. Ouais, je peux lancer ça. Et en fait, sur le menu de chargement, c'est là que je peux changer les costumes de tout le monde. Parce que ici, j'arrive, je fais sélection héros. Et là, je fais... Non, je veux pas ça, je veux pas ça, je veux pas ça. Je veux elle, par exemple. Hop, je vais dans ses persos. Je vais dans son menu. Alors, ici, dans compétences, il n'y a rien. Ici, équipement, il n'y a rien. Cosmétique, je vais lui remettre sa tenue originale. Parce que j'aime pas sa tenue de cuir, en vrai. Ça fait un peu trop sadomaso. Ça me dérange pas, mais bon, autre mesure, si on pourrait éviter, quoi. Thor. Thor, on peut le mettre soit en tenue, soit la tenue qu'il a actuellement, que j'aime pas du tout, soit la tenue élite. Je veux ça, moi. Je veux sans le casque, en vrai. Là, c'est pas mal comme ça. Sans le casque, c'est bien. Sans le casque, c'est bien. Avec le casque, c'est fait un peu bizarre. Avec son t-shirt, là. Sans la barbe, par contre, non. Hein. On est d'accord, sans la barbe, pas du tout. Hein. Avec les cheveux comme ça, là, non. Hein. Ça, par contre, ça peut être pas mal, ce costume. Ça, c'est cool. Ça, c'est des costumes cool. Avec la fourrure et tout. Bon, j'ai le choix entre avec la barbe ou sans la barbe. Et en vrai... On va le laisser comme ça, hein. Il va pas bouger. Parce que... Voilà. On change son marteau. Et il n'a pas de point de compétence. Pas trop le choix en vrai. Hein. Pas trop de choix de ouf là. Iron Man, faut que je change. Parce que j'arrête pas de le confondre avec les ennemis. Iron Man, lui, regardez la puissance de mes persos. Regardez. 11, 13, 11. Iron Man 28. Hulk 15. Miss Marvel 13. Pourquoi Iron Man est aussi puissant? Mais parce qu'on l'a tryhard, les amis. Parce qu'on l'a tryhard. Je sais pas si vous vous rappelez, on a fait énormément de missions avec Iron Man. Et c'est pour ça que c'est lui le plus puissant. Alors qu'on joue plus, la plupart du temps, on joue avec Miss Marvel. Mais voilà quoi. C'est lui qui est le plus fort parce qu'on l'a le plus équipé quoi. Du coup. Ah, tous ces menus sont pleins en plus. Tous ces menus sont pleins. Alors ce que je vais faire, c'est que. Je vais vider tout ça. C'est... Comment je fais? C'est pas ici. Je vais dans objet cosmétique déjà. Et on va lui choisir l'armure rouge. Voilà, l'armure rouge, basique. Mais qui fait le taf? L'armure rouge fait le taf. Est-ce que je peux accéder au casier ici? Pas forcément. Mais lui, c'est son truc, il est plein de ouf, quoi. Ici, je peux accéder au casier. RT. Et je vais faire menu personnage. Non, il veut pas. Ah si, menu personnage. Et là j'arrive ici et je fais déplacer. Il voit un menu où d'où déplacer dans le casier, mais bon. Là je vide ton inventaire en fait. Et après, ce qui est génial, c'est que quand t'es dans le casier, tu peux faire tout démonter. Voilà, lui au moins il est propre. Il n'y a plus rien dans l'inventaire. Lui il est cool. Je pense que je suis plutôt pas mal. Et je vais faire menu pause. Non, attends, je vais faire quoi? Comment je fais pour ne pas sélectionner la mission? Ah, je peux juste choisir, re-choisir la mission ici.
Et je fais... Oh bah je vais continuer la mission avec le chimère. Et ça va me relancer sur le menu, ça va me refaire la cinématique et après je pourrais... Tout ça pour changer de costume les gens. C'est relou hein. On pourrait juste le faire dans les casiers en vrai. Je sais pas pourquoi on peut pas. Genre Cap, quand tu vas dans les casiers, c'est cool de pouvoir juste changer le costume et pas faire toute cette manipulation avec deux temps de chargement quoi. J'arrive. Il y a une limite de 300 objets ouais. Tu peux pas mettre beaucoup de trucs dans le casier. Mais 300 ça va en vrai. Je récupère pas, il y a pas beaucoup de loot dans ce jeu. Il y a un grave problème de loot dans ce jeu. Il y a très peu de loot. Pour un jeu shooter-looter, c'est un peu déstabilisant. Mais en vrai, j'ai de la monnaie de jeu et que je pourrais utiliser pour... Ça va, elle est plus debout bizarrement. Il y a de la monnaie du jeu que je pourrais utiliser pour acheter des équipements supplémentaires, mais je le fais pas. Alors Nat, qu'est-ce qu'on a ? On dirait que Pim traque ce truc depuis qu'il est apparu dans le ciel. Il ne semble pas suivre un itinéraire spécifique. Donc on peut pas anticiper ses déplacements. Pim pense qu'il réagit aux alertes d'activité des agents de l'AIM en plus de ce que lui indiquent ses propres capteurs. Il va nous voir arriver. Probablement. La Résistance nous transmettra ses données pour qu'on puisse le localiser à tout moment. Ça pourra toujours nous servir. Parfait. Prépare le Quinjet. Je veux qu'il soit prêt à décoller au plus vite. C'est comme si c'était fait. Alors, pour répondre à ta question, Kazenezu, si tu dis... Alors, il dit, j'ai l'impression que le jeu ne vaut absolument pas son prix, vu tous les défauts. Eh bien, j'ai envie de te dire oui, hein, malheureusement. J'ai envie de te dire oui, hein, il vaut pas son prix, hein, malgré... Il y a trop de défauts, en fait. Et c'est vraiment problématique. Hein. Cependant, si tu es vraiment fan de Avenger, comme moi, par exemple, hein, tu peux passer outre les défauts, tu joues quand même. Mais ça, tu seras déçu, tu vois. Tu joues au jeu, mais t'es déçu, quoi. T'es en mode, fais chier, ça aurait été mieux, quoi. Mais le jeu passe quand même parce que le jeu n'est pas mauvais. Il est juste pas fini quoi. Il lui manque un an. Encore un an de développement. C'est abusé hein. C'est trop complexe. Ça fait trop mal au cœur de dire un truc comme ça. Parce que j'attendais un petit peu ce jeu. Et malheureusement en fait il est pas top. Vous allez lancer la dernière mission de la campagne. Ouais c'est embêtant en vrai. En vrai de vrai c'est embêtant. C'est embêtant de lancer la dernière mission de la campagne. Surtout quand j'ai des personnages qui sont vraiment bas level. Il faut que je fasse quelque chose. Ok, ça c'est Captain. Ça c'est Black Widow. Allez, go. Black Widow, go, Black Widow. T'inquiète, elle est longue. Ouais, c'est pas dans le problème qu'elle soit longue ou pas. C'est dans le problème où j'ai pas fait les autres quêtes secondaires. Et je pensais que j'avais encore des missions, tu vois. Comme vous l'aviez prévu. Mais en fait, pas vrai. Je surveille le laboratoire de l'AIM que vous avez découvert dans l'Utah. Les scientifiques sont arrivés ce matin. Pourquoi j'espère je me sens Cyberpunk, délaissé ouais. Tout d'un coup. J'espère aussi. Essayez de suivre, Tony. Avec plaisir, si vous voulez bien m'inclure dans votre projet d'espionnage ultra secret. Black Widow est entré en contact avec des scientifiques qui travaillent pour l'AIM. Ils veulent rejoindre la Résistance. Une mission de sauvetage. Cool. Ils sont intelligents, peut-être même plus que toi. Leur matière grise pourrait nous être utile. Je m'en occupe, mais j'aurais peut-être besoin de renforts si les choses se compliquent. D'accord. Donc on va récupérer des scientifiques. Des defects. Bah je vais pas choisir les persos du coup. Ah si, il faut que je choisisse. Il y en a pas en fait. Hulk, c'est toujours un bon choix. J'ai envie de prendre Kamala, tu vois, mais... Elle est pas forte. Et le plus fort, c'est Captain pour le coup, du coup. Allez. Ah, bah. Kamala, il va se faire descendre à chaque fois, c'est chiant. Là, avec... En fait, c'est pour ça. Les gens, je viens de comprendre pourquoi la partie précédente, avec Iron Man, on a tout défoncé. Je suis level 28 avec lui. Je suis level 28, j'avais pas remarqué que j'étais aussi puissant avec Iron Man.
C'est normal en fait qu'Iron Man défonce des têtes. Vous avez régulièrement été en contact avec ces personnes? Quand j'étais la ballerine, oui. Depuis que ma couverture. On voit que j'ai trahi Iron Man, hein. On voit que j'ai trahi Iron Man. Incitation à la désertion, juste souvenir de l'IM. Le mec qui trahi. On joue beaucoup plus à Iron Man que les autres en vrai. C'est le jeu, hein, c'est pas notre faute, hein. Je pense que n'importe qui joue comme moi a Iron Man super fort à ce moment du jeu, quoi. Hey, let's go! On va devoir couper le courant dans l'installation de l'AIM pour permettre aux scientifiques de s'échapper. Et ces scientifiques ont un lien avec le Heyday? Ils travaillaient dans le labo de Tarton, celui qui a découvert du terrigène dans la baie. J'imagine qu'ils veulent déserter parce qu'ils sont coupables. Elle a pas de double saut, mais elle a un grappin. Du coup, son pouvoir fait un peu penser à celui de... À celui de... Petite Kamala. Il faut se rendre au plus vite dans l'installation où se trouve le panneau électrique. La coupure retardera les renforts, mais pas s'ils savent que vous arrivez. Ah si, j'ai l'impression qu'on s'engouardère maintenant. Ah, please, je ne rame pas maintenant. Bon, voilà l'installation où se trouve la boîte de jonction. Pour entrer, vous aurez besoin de l'aide de Jarvis. Mademoiselle Romanoff, cette installation est protégée par des protocoles de sécurité locaux. Pour que je puisse déverrouiller les portes, je dois utiliser votre transpondeur à proximité d'un nœud de réseau. J'approche et je te laisse bosser. Il est important de rester près du nœud et de repousser les forces de l'AIM. Ils vont tenter de me bloquer. Ah, ici. C'est-à-dire que je dois rester dans ce petit cercle. Ça a l'air bon pour l'instant. Attention! On va rester dans ce petit cercle. Victor, vous affrontez tous à la fois. J'ai tout raté! Oh putain, j'ai tout raté! C'est horrible! Elle a un recul! Il y a plus de recul dans Avenger que dans Call of Duty, quoi, c'est abusé! Je n'arrive jamais à savoir si vous allez employer la manière forte ou non. Parfois, j'ignore moi-même. Cible éliminée! Oh. Les portes du complexe sont presque déverrouillées. Restez à proximité du nœud. Bon ben, amusez-vous bien quoi les gars. C'est un peu le bordel, hein. Oh, je vais mourir. Fuck. Bon, j'aurais pas 4 étoiles. Hulk. Je suis... Merci. Non, mais j'allais te dire, je suis genre juste derrière toi, sinon... éventuellement. Merci. Café en cours. Ah, il est là. On sort l'artillerie lourde. C'est bon. Les portes sont déverrouillées. Bon, genre, Iron Man, putain, il balance toutes ses méga attaques contre un petit gars, quoi, à chaque fois. J'ai une mission là-bas, j'ai une mission là-bas. Et la mission principale, elle est juste là, tu sais. Genre là. Je dois faire quoi? Utiliser l'ascenseur.
Il voulait s'en sortir. L'ascenseur, il est où? L'ascenseur... Ah, il est là. Putain! Bon, allez. Avant d'aller là-bas, on va aller voir les missions secondaires. On va juste aller voir si je peux récupérer les coffres. On a de la... Si je prends trop de coups, je reviens en arrière. Je m'en fous. Au tapis. Un allié de la résistance est en difficulté dans les environs et a besoin d'aide. Ah, il est là-bas. C'est bon. Non, je suis pas un monstre, le jeu. Contrairement, franchement, t'as pas vu l'épisode 3. Hein. L'épisode 3, je me suis pris des claques dans ce jeu, mais c'était insane. Hein. Non. Je sais pas, je pense que je me suis un petit peu habitué au gameplay. Et ça, en fait, en général, ça arrive sur tous les jeux. Au début, tu sais, les premières fois que tu joues au jeu, forcément, c'est pas top. Et après, tu t'améliores, tu vois. Après, je maîtrise pas tout non plus. Hein, parce que, genre, par exemple, je fais pas les parades. Je fais les esquives, mais pas les parades, tu vois. Alors que les parades peuvent m'aider, je pense, hein, beaucoup plus que les esquives, puisque tu peux faire plus de dégâts. Mais en règle, mais j'y pense jamais en fait, et ça fait pas partie de ma façon de jouer, tu vois. Après là, c'est sûr que c'est peut-être plus agréable à regarder que l'épisode 3, clairement. Et il rame un peu moins aussi le jeu, donc du coup ça va. Je regarde un petit peu sur le côté là, ça a l'air d'être plutôt fluide. Après peut-être que ça l'est pas, mais j'en sais rien. J'espère que ça l'est. Il y a un coffre d'équipement à proximité. Et des gens partout. Quelle perte de temps. Je l'ai bully lui. Lui moi je le bully moi. Moi je le bully moi. Voilà, t'es capable d'avoir des boucliers. Hein. Ah Runman, qu'est-ce que tu viens voler ma... Iron Man, il débarque comme ça, il vient me voler mon kill. Au calme, genre il croit que c'est normal. Oh, gnagnagna. Moi je suis Iron Man et tout, machin. Et j'ai fait descendre sa vie jusqu'à fond vers le bas. Toi tu viens me voler mes kills, toi, n'importe quoi. Alors, par contre, Hulk, plus jamais tu m'envoies des trucs à la gueule. Ouch. Pardon, sans devant. Qu'est-ce que tu fous? Ok, il était à l'envers. Ça explose ça, fais gaffe. Ok. Ça va être compliqué celui-là, puisqu'il y en a un tout en haut. Pas si compliqué que ça, ça va. Alors, les sauts qu'elle se tape, par contre, c'est un peu insane. Faut oublier que c'est une imane, elle a pas de pouvoir. Contrairement à Captain. C'est très mignon de t'excuser parce que tu lui as tiré dessus. N'importe quoi. Allez, je pense qu'on a eu... Oh, j'ai eu une nouvelle armure pour elle. Attends. Nice. Ça se voit pas, malheureusement. Ça, c'est un truc que je trouve dommage. C'est que elle... tu débloques des nouveaux trucs, mais ça se voit pas, son perso. Alors, ça, c'est un grappin qui permet de rebord, machin, de grande distance rapidement. Ça permet d'aller plus vite, plus loin. Après avoir appuyé sur RT pour parer, j'appuie jamais sur RT pour parer. Alors, attaque légère en esquive. Nope. Appuyer sur X en sprintant pour exécuter un coup de pied en avant. Mm-hmm.
J'aime bien. Appuyez sur Y pour sprinter pour exécuter un puissant coup de pied qui envoie valser les ennemis. J'aime bien. Appuyez sur Y après une esquive. Pof. Je vais voir si je peux améliorer les spécialités. Pas vraiment. Je peux améliorer. Amélioration de capacité héroïque. Bénéficier d'une seconde fléchette de morceaux de la veuve. J'utilise jamais ça. Mais ça marche très bien contre les robots en plus. Ici c'est quoi? Une fois qu'elle est débloquée. Oh, c'est vrai que j'utilise pas ses pouvoirs. Attends. Ici, capacité, augmente la quantité d'énergie. Et ici c'est quoi? Une fois qu'elles sont débloquées, je vais essayer l'une des options. Alors l'option c'est quoi? Augmente les dégâts et détourdissements. Prolonge la durée de la vague de puissance de 4 secondes. Augmente la résistance aux dégâts de 30%. Les packs de régénération ont 15% de chance d'apparaître. Les attaques au bâton en état de surcharge infligent 35% de dégâts. Augmente les dégâts de morceaux de la veuve de 20% quand vague de puissance est active. Je sais même pas ce que c'est vague de puissance. Ah bah c'est ça. Ah, je peux rien faire, c'est verrouillé. Je peux pas faire, c'est verrouillé. Bon bah on va faire autre chose. Si ça c'est pas fait. Donc je peux pas améliorer ces attaques pour l'instant ici. Je vais juste augmenter les principales hein, tout simplement. Donc du coup c'est quelle qui me plaisait? C'est celle-là. Non, c'est celle-là. Après une esquive, appuie sur Y. Et ça, c'est le... Attends, c'est où le combo? Ah, je peux pas le débloquer encore. Pourquoi tout est verrouillé? Sprint T. J'aurais dû prendre le grappin pour aller plus vite, mais bon, c'est pas grave. Du coup, quand je sprint... Si je sprint et j'appuie sur Y. Attends, si je sprint. Et voilà, ça fait ce petit coup de pied là. Ok. Et apparemment c'est puissant. On va prendre l'ascenseur maintenant qui est caché là-dessous. On peut pas faire les spéciales, Seb. Je pense que tu l'as vu, de toute façon j'ai dû voir ton message en retard. C'est verrouillé en fait tout ce qui est spécial. Et bien sûr, évidemment, ceux qui partent, bonne soirée à vous. Même si vous faites pas coucou quand vous partez. Je vous fais. Docteur Forson, vous me recevez? Je vais les distraire un peu. On vous reçoit, Black Widow. Quel est votre statut? Stressé, mais nous partirons dès que vous aurez attiré l'attention de l'AIM. Préparez-vous à mettre les gaz. Attention! La destruction des quatre turbines permettra de couper le courant et d'attirer l'attention de l'AIM. Et envoyez les renforts, s'il vous plaît. Il, dès que j'aurai fini, toute la base va me tomber dessus. Je protégerai le jet. Essayez de sortir en un seul morceau. Quel gâchis! Extraction des feux. C'est moi ou il fait chaud? C'est toi, il fait chaud en fait. Docteur Forson, attendez mon signal. Je pense vraiment qu'il faudra y aller maintenant. Les troupes de l'AIM sont partout. Les gars, calmez-vous. Hein. Oh, mais alors, super l'attaque dans le vide. Docteur Forson, ne tentez rien tant que nous n'avons pas toute l'attention de l'AIM. On fait juste chauffer les moteurs. Oh, même les alliés deviennent invisibles. Au tapis. En vrai, c'est cool. Un Hulk invisible, vous imaginez le délire, les gars?
Imaginez, vous vivez votre vie tranquille et d'un coup, un Hulk gigantesque invisible vous tombe dessus. C'est quoi votre réaction, concrètement? Attendez mon signal, docteur. Dépêchez-vous. Ils vont finir par nous trouver, j'en suis sûr. Pas de réaction, tu meurs. Ennemi neutralisé. J'oublie de récupérer le loot partout. Le courant a été coupé. Forson, attendez encore 30 secondes avant de décoller. Allez, on se tire d'ici. Bon. Il y a un gros robot là-bas. Forson, tout va bien? On a perdu le contact. Il faut monter. Allez, gros, go, go, les gars. Même s'il y a un ennemi encore, mais on peut partir. La porte est ouverte, autant aller. J'ai pas envie de me... Ça sert à rien de se battre contre un ennemi qui... Qui protège même pas l'ascenseur ouvert, quoi. Il est invisible donc. Bah, s'il réapparaît devant toi, exactement. T'es en train de t'es tranquille comme ça. T'entends. Une seconde. Bou, bou, bou. Et au dernier moment, Hulk apparaît devant toi en train de courir, tu vois. C'est quoi ta réaction? On a été touché. On va s'écraser. Accrochez-vous, ça va secouer. Ils sont où? Ils sont à deux clics. Les unités de l'AIM se dirigent vers le lieu estimé du crash. Et c'est où? C'est là-bas? Deux clics, ça fait combien en kilomètres? Je détecte une unité d'élite de l'AIM près de vous. Battez-la et vous obtiendrez peut-être quelque chose d'utile. Ouais, tu m'as déjà fait le coup plusieurs fois, j'ai jamais rien eu d'utile. On est vivant. À part la mort. En fait, quand je joue avec Black Widow, j'ai l'impression de jouer à Tomb Raider. Elle a son grappin et tout, tu vois. Oh mon dieu, regarde l'unité d'élite. Regarde l'unité d'élite, les gars. Genre, ils veulent me tuer, hein. Regarde ça, regarde ça, regarde. Regarde. Oh mon dieu. Calme-toi. Ne fixez pas la lumière, les enfants. La Zidania. Il est mort. Oh bah il est mort. J'espère que sur une 3090 le jeu marche bien par contre, hein. Ce serait un peu abusé quand même. Pas une carte à 1500€ et ma Marvel Avenger marche pas dedans, tu vois. Imaginez le délire. Il est mort avant que j'arrive. Hulk! Apprends à partager. Je sais que tu veux tout faire bing boom badaboom, etc. Mais. Je veux dire. Partage avec tes potes, ok? On a tous besoin de monter son level. J'imagine pas à quel point c'est difficile de viser en fait. Regardez, sans viser, sans toucher. Regarde, quand tu tires sans descendre. Comment ça monte en fait, ça monte comme ça. Je suis obligé en fait de redescendre le joystick à chaque fois pour viser correctement. Et c'est chiant parce qu'au joystick tu peux facilement te rater, tu vois. Ah ouais, tu veux me dire je suis pas obligé de tout détruire? Ouais, pour l'XP ça va. En vrai ça donne l'XP. Les unités ennemies ont atteint le site du crash.
compris. Je vais me coucher, mais bonne nuit à toi, Nova. Merci d'être passé, c'est très gentil. Crise cardiaque. Ah bah oui. Recul ou pas recul, je ne sais pas. Bien vu. Au moins, ils seront armés. Ah bon ? Franchement ? Il y a un léger auto-aim dans le jeu. Même si t'es pas visé, tu regardes dans la direction générale du truc, ça devrait le faire. Regarde, je regarde dans la direction, hop, tu fais ce truc là. En fait, je vise pas en fait droite-gauche. Je vise juste au bas en fait. Je fais juste au bas, c'est un peu comme sur Fortnite. L'AIM ne fera pas de prisonnier. Vous avez des facilités sur console hein, grâce à l'auto-aim et compagnie sur les jeux. Après, si vous, par contre, il faut regarder dans la direction générale. Si vous le faites pas, ça marchera pas. Ils sont sous le feu de l'AIM. Pas pour longtemps. Sauvez-nous. Je vous en prie. Là, par contre, j'ai vraiment... Ah, mais c'est un allié. Là, ça rame de ouf, quand même. Le jeu n'aime pas trop ici. T'avais quelque chose sur le cœur. Casser les drones. Docteur Tim, je savais même pas qu'il était en live. Merci Tim pour le host, c'est très gentil. Putain, il est en train de défoncer le docteur là. Non, non. Regardez la vie des docteurs, comment c'est super bas. Mais arrêtez de focus sur les docteurs, et je suis là aussi moi. Vous pariez combien s'il y a un docteur qui meurt en fait, c'est perdu, game over. C'est pas Hulk Buster. Et lance conquête à bout portant, t'as pas honte. Ok, c'est bon, on les a tous tués. Ah, on les a pas tous tués. Oh non, pas vous. Ça doit piquer. Oh, bah, gros, mes systèmes. Je sais pas pourquoi j'ai pleuré. Il fallait s'y attendre, et ils ont rétabli le courant. Putain, ça rame de ouf, c'est horrible. Injouable. J'ai l'impression d'être retourné, vous savez, en 2003, lorsque je jouais à des jeux et que j'avais pas la config. Ça va faire mal. Quel gâchis. Ça ne s'est pas vraiment passé comme prévu. Comme d'habitude. Dis-moi, Jarvis, j'ai reçu mon paiement ? Un transfert d'argent considérable. Ce genre de perso justifie le TPS. Ouh, il y a des gens qui te cherchaient, type, t'as vu ? J'ai jamais lag comme ça sur le jeu. Sur PC, tu joues sur PS4 ? Sur PC, c'est horrible, hein ? J'ai une 2080 Ti. J'ai tout diminué, genre je suis plus en ultra. Au début, je joue en ultra, tout début. Là, j'ai tout mis en médium. Vous avez ça fait tourne ça comme ça. Et apparemment, sur une 2080 Ti boostée, le jeu est à 40 FPS max. C'est horrible. En 4K. Et c'est pas constant. Non, il y a vraiment un problème d'opti, tu vois. Mais bon. Mais enfin, bon, c'est pas grave.